in your face, all over the place. We're online 24/7. You're listening to the hottest internet station. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. 5, 4, 3, 2, 1. Jefferson back to
NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. We were King Crooked, man. Let's see here. East to West Side. When it's all said and done, my nigga, they gon' say. La radio of Parquet. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Let's get it on. Any that Remy, that good and plenty, that brown brown be setting that mood. Now I'm ready for some pimp shit. That makes you walk with a limp shit. Never hide it from no one. Call me nigga, I'm listed. Type in Mike Nash, red light. They gon' feel like I think you back to fucking feet eyes up in the villa. The project, man, that's all I ever knew. Rose so run up on bricks and southern bricks. Great start for New York. Story tell, but I can still hit them hoods and they know me well. I still do this cause y'all niggas corny. And the funny thing is that I'm pushing 40. What you say, yeah? My people's on the way Jason talked about way back. You must be insane in your brain. I'll push you shits way back. Cause my people's on play those games. Homie, I'm from way back. You must be insane in your brain. Vous êtes bien sur Radio of Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Beach Snoop in the BMW, Warren G on the motorcycle, Nick in the Suburban. My vehicle's my own feet, mobbing down Atlantic Avenue, I was on them cold streets. Just a kid with a dream before the pistols and beams, the nickels and fiends. We focused on lyrical schemes, writing songs with difficult themes. But nowadays, niggas so typical, y'all just some ridiculous memes. It's all good though, rest to the east, I comp resting in peace. Y'all hood know, I come through smelling like Jameson whiskey. Y'all haters can miss me, I'm well paid, famous and tipsy. Why'd you just say that? My people's don't play those games. Homie, I'm from way back. You must be insane in your brain. I'll push you shits way back. Cause my people's don't play those games. Homie, I'm from way back. You must be insane in your brain. I've been at it, still got it, ain't got proof shit. I'm refused with smoothness, I'll make you lose quick. I'm from that northeast side, we try and move shit. I got my crooked. Vous êtes bien sur Radio of Parquet. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. It opened my mind quick, but yo, I came back with a shine. Hundreds of rhymes, ready for payback. Should I say back pay? Hit him with that chat play. Caught up real quick and still living off that back pay. Broski, so go that way. Mastermind in the back way. I'm old school, living life in a PH fat way. Born again, look at them haters all mortified. If I have no worries, I might stop at 45. Why'd you say that? My people's don't play those games. Homie, I'm from way back. You must be insane in your brain. I'll push you shits way back. Cause my people's don't play those games. Homie, I'm from way back. You must be insane in your brain. Vous êtes fan de basket. Vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Ça se passe uniquement sur Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour les fans de basket à travers le monde.
Une première sur le marché francophone. Radio Off Basket, une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Une seule adresse, radioof.net. We are 237. One nation, one brand, join the nation. We are 237 brand, sponsor of the Radio Hall of Fame Basketball. We are 237 brand exclusively and we are 237.com. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Radio Off Basket et tous les fans de NBA s'associent pour une campagne de vote à l'attention de Joel Embiid, la star de Philadelphie, pour participer au All-Star Game 2017. Alors joignez-vous à nous. Votez Joel Embiid. Pour cela, créez un post sur votre compte Facebook avec ce statut: Joel Embiid, hashtag NBA, vote. Alors si vous êtes fan de Joel Embiid, n'attendez plus une seule seconde, prenez votre téléphone, et votez. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Quel que soit votre pays d'origine, quel que soit votre pays d'adoption, vous êtes unique en soi. Et c'est cela qui fait la différence. C'est cela, être 237. We are 237, la marque de ceux qui font le choix de l'estime de soi. Vous êtes, ce n'est pas un dogme, c'est être fearlessness, c'est votre choix qui compte, c'est cela, être 237. Retrouvez tous les produits de cette marque sur le site internet www.weare237.com. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Vous êtes fan de basket? Encore mieux, vous êtes un mordu de NBA. Vous cherchez un stage dans une entreprise dédiée à la passion et la liberté de ses partenaires dans leur choix professionnel? Alors rejoignez notre équipe. Nous recherchons des stagiaires dans le secteur commercial, sur le plan de l'animation et enfin sur le plan marketing. Alors si notre offre de stage vous intéresse, contactez sans plus tarder Radio Off Basket par mail à l'adresse
info@radiooff.net. Voulez-vous réduire les coûts de votre entreprise sans mettre vos salariés à la porte? Souhaitez-vous diminuer le stress de vos employés à leur poste de travail? Si oui, vous pouvez compter sur RiscoSoft IRM. RiscoSoft IRM, un ensemble de logiciels pour améliorer les performances de votre société. Retrouvez les logiciels RiscoSoft sur le site internet www.riscosoftcorp.com. Radio Off Basket, c'est plus qu'une radio, c'est aussi une marque. Que ce soit pour défier vos potes sur les terrains avec nos t-shirts, offrir un cadeau avec du style à votre copine, apprécier de voir vos enfants habillés à la mode, donner plus de caractère à votre style avec une coque de téléphone, un sac de sport ou encore une casquette, vous serez totalement satisfait. Avec la radio numéro 1 de basket à travers le monde, montrez votre appartenance à cette révolution dans le monde du média. Radio Off Basket, c'est aussi une signature. Alors n'hésitez pas, cliquez sans plus tarder sur le lien La Boutique, sur le site internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Sur le parquet de la radio. Hop!
Radio of Basket, Radio Hall of Fame Basket, les amis. La radio numéro 1, tout simplement, pour tous les fans de basket à travers le monde. On le sait, c'est pour ça que vous êtes connectés, vous adorez le basket, vous êtes fans de NBA et vous avez toujours souhaité avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Bref, Ngachu, ça se passe où? Bonsoir Phil, bonsoir tout le monde. Ça se passe du côté de l'Allemagne aujourd'hui, mais surtout le 20 mai prochain. Tout le monde est attendu. Mon frère, attends d'abord. Là, tu es pressé, hein, mon frère. Tu es pressé, mon président. Hein? Non. Vas-y, corrige, je vais t'introduire, t'inquiète pas. Vas-y, Non, c'est que on est. LeBron James nous a mis en désordre hier, tu vois, non, on ne sait plus où est le devant, où est le derrière, on nous a tué hier, donc comment si vite on est pressé. Ça se passe où alors, dis-nous, ça se passe où? Non, ça va, tout se passe bien, l'année a bien commencé, et puis Dieu soit loué, tout le monde va bien, ta famille, voilà. Et puis les chevilles aussi, merci. Voilà, très très bien, voilà, donc voilà. Ça se passe sur Radio of Basket, les amis, Radio Hall of Fame Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket à travers le monde. On l'a dit, on l'a précisé, et vous l'avez entendu, c'est bien l'un de nos fidèles auditeurs, Bryce Ngachu, Bryce depuis l'Allemagne. Hein, Bryce qui a aussi la particularité d'avoir une autre casquette, hein, puisqu'il est l'organisateur du tournoi de l'année, hein, surtout pour ceux qui sont du 237, ceux qui sont de notre cher Cameroun natal, hein, donc il est là non seulement en qualité de fan, mais aussi en qualité d'organisateur, hein, de ce tournoi prestigieux, on va dire ça comme ça, hein, ce tournoi qui regroupe, hein, la fine fleur du basket 237, hein, le Brian, hein, tonton Bryce. Tout à fait. Tout le monde est attendu. Voilà, donc. Voilà, donc on va faire le point tout à l'heure sur cette rencontre tout au long de l'émission. Hein, donc Bryce qui est là, hein, pour en parler. Et on va bien entendu faire rapidement introduire, hein, mes deux partenaires, mes deux collaborateurs clés sur le parquet, les membres du Big Three. Hein, on va commencer par le détenteur de la bague du King. Sur le parquet de la radio, Pierre Ngoram, aka Mopo, depuis le Delaware. C'est comment, mon frère? Je suis là, mon frère. On a dit Bryce Gatti, il a démarré comme le PSG. Il est allé en premier, direct. Parce... le gars ne donne même pas la permission. Hein. Il enfonce la porte une fois. Tu vois, non? Sans lubrifiant. Tonton. Mais avant, là, je ne vais pas cesser de dire encore une fois de plus bon anniversaire à Eddy. Ah oui. Pas sur la radio, hein. La radio des stars, on a créé des stars, hein. Ah oui. On voit bien jouer le NBA dans les stars et d'autres stars. Bon, on crée les stars ici, en fait. Pascal Siakam et tout, bon. Eh oui. En gros, on fait goûter la bouche et accuter le bon gène. Vas-y, mon homme. Ouais, il n'y a pas de souci. On va en profiter. Donc, vu que tu m'as fait la passe, on va en profiter pour accueillir une fois. On va accueillir Eddy d'abord, hein, puisque tu m'as fait la passe. Eddy Tambandu depuis OKC, depuis Oklahoma City. Mesdames et messieurs, sur le parquet de la radio. Bienvenue, Eddy. Bonsoir. Et joyeux anniversaire. Happy birthday. Merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à chacun des passants. Alors, Eddy, on sait que tu es déjà, on va dire quoi, bagué, scotché, tout ce que tu veux, hein. Mais bon, en tant qu'homme, faut quand même que les auditrices, elles soient quand même au courant de l'âge, de la voix suave qu'elles entendent tous les mardis sur le parquet. Non, vous m'engagez là. Eddy. Tu sais pas que tu avais une belle voix comme ça, hein? C'est les indiscrétions qui m'ont dit. Moi, je donne pas le nom, mais on m'a seulement raconté qu'il y a un gars là. Hein, ça, tu l'appelles souvent Eddy. Il faut nous donner son âge ce soir. On va parler de moi aussi. Il faut dire à Ong là que on le paye pas bien.
Eddy sur le parquet de la radio, ça nous fait extrêmement plaisir à chaque fois qu'il est là sur le parquet pour partager ensemble cette passion sur cette passion que nous avons tous pour le basket. Et on est toujours très ému, très excité hein, à chaque fois que cette émission commence. Allez, on va sans plus tarder annoncer quand même le troisième membre du Big Three sur le parquet de la radio, hein, le détenteur du corner, hein, le dépositaire du corner, hein, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, hein, le cousin de Stephen Curry, hein, on peut l'appeler ainsi, hein, le Doc ONP sur le parquet de la radio. Bienvenue le Doc. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ça va bien? Pourquoi ta voix est joyeuse comme ça là? Mais si tu as entendu la différence, non? Oui. Hein? Il a une voix, tout ça, il y a une petite joie là, mais qu'est-ce qui se passe, Doc? Non, en fait, je suis un peu malade et ému. Ému pour moi. Allez. Très belle émission, tout ça. Non, c'est l'anniversaire de Eddy et tout. Le beat, Eddy, c'est mon grand quand même. Et voilà, on verra plus tard pourquoi je suis. Que tous les auditeurs vont bien et que. En tout cas, l'âge derrière le dos, mon frère. Et que la semaine commence bien. Ok. Le Doc ONP, on le sait, hein, tout le monde le sait pourquoi il est si joyeux. On va en parler tout à l'heure, hein, mais on va d'abord accueillir, bien entendu, les auditeurs. Avant de changer de sujet, de passer à autre chose, on va accueillir Missy qu'on a entendu tout à l'heure. Missy depuis Paris, sur le parquet de la radio. Bienvenue Missy, merci encore d'être avec nous ce soir pour le match. Merci à vous toujours de l'invitation, voilà. Ça nous fait toujours très plaisir. Tu as sorti tes genouillères du frigo, comme le dit Mopo. Non, il faut dire que j'ai passé une nuit blanche pour voir ce fameux Martin. Luther King Day. Martin Luther King Day, voilà. Ouais, exactement. On a vu des belles choses d'ailleurs, on va en reparler. On va en reparler. Des très belles choses. Et enfin, on va accueillir Dimitri depuis Londres sur le parquet de la radio. Bienvenue Dimitri. Allô Dimitri, est-ce que tu m'entends? Oui, je vous entends, désolé. Oui, je vous entends. Bienvenue Dimitri sur le parquet de la radio. Merci d'être encore avec nous, mon frère, pour le match des auditeurs. Ah, merci. C'est plaisir à partager. Bonsoir à toute la famille basket, à tous ceux qui nous écoutent sur les ondes, sur la radio, ouais, ici et partout ailleurs. Voilà. Allez, on va enchaîner sans plus tarder le show de ce soir. On doit aussi avoir un auditeur depuis le Kenya, hein, vous le connaissez tous, hein, il s'agit de Abelson aka Ali Baba, hein, représentant des Toronto NBA Raptors, qui doit être avec nous ce soir, pour participer à l'émission. Il doit nous faire signe tout à l'heure, hein, il doit être là avec nous ce soir. Et on devrait aussi avoir Andy depuis l'Allemagne sur le parquet de la radio avec nous ce soir. Bien entendu, il devrait nous rejoindre au courant du talk show. Allez, on va enchaîner hein, avec le programme du soir. On a un programme chargé. Hein. Comme vous le savez, le match des auditeurs, hein, cette émission hebdomadaire durant laquelle on se crêpe un peu le chignon avec les auditeurs. On échange des sky, des shoots, des layups, des slams, des dunks, tout ce que vous voulez sur le parquet. Bien entendu, il y a aussi les arbitres avec toutes les protections nécessaires pour encaisser les coups qui vont se passer sur le parquet. Alors le match des auditeurs, c'est un débat qui va donc opposer les auditeurs et bien entendu les animateurs sur le parquet de la radio off. Et on va sans plus tarder annoncer le sujet de ce soir. C'est un sujet plutôt général hein, puisqu'il va s'agir de décrypter quand même hein, le match c'est pas un simple match, on peut l'appeler la finale avant l'heure hein. je crois que personne ne va me démentir si j'utilise cette expression hein, l'une des finales avant l'heure hein, de la NBA hein, ce match qui a opposé les Warriors aux Cavs hein, qui continue de lui donner des indicateurs hein, sur ce qui nous attend pour les finales NBA. On va faire le point sur le match, mais je vais quand même lire la question de ce soir. Le titre NBA est-il déjà joué pour les Warriors? Je répète ma question. Le titre NBA
est-il déjà joué pour les Warriors? Donc voilà la question principale autour de laquelle on va un peu naviguer hein, pour poser bien entendu d'autres questions qui concernent les deux prétendants au titre que vous connaissez tous. Et on va aussi se poser quelques questions sur la situation de Carmelo Anthony ce soir, hein, la situation de Carmelo Anthony qui brûle hein, sur les lèvres de tous les experts de l'NBA depuis plusieurs heures maintenant et sur tous les réseaux sociaux. On va se poser la question de savoir dans quelle équipe finira Carmelo Anthony cette année. On va se poser la question sur le parquet de la radio. Bien entendu, bien avant ça, il y aura votre sacro-saint Twitter NBA Show. Et Twitter NBA Show, cette rubrique hein, qui nous permet d'aller au-devant hein, des toutes dernières informations, les toutes dernières informations en provenance de la Grande Ligue. Ensuite, il sera temps de passer au résumé des matchs de la nuit. Exception faite du résumé du match qui nous intéresse, hein, le résumé de ce match sera, on en parlera pendant le match, donc je retirerai exprès hein, un résumé pour en parler pendant le match. Et on fera bien entendu le point sur les previews des victoires attendues pour les matchs de ce soir. Voilà, un très gros programme encore ce soir pour tous les auditeurs, tous les fans de NBA qui nous écoutent. Donc voilà. Allez, sans plus tarder, on va lancer les préalables avant chaque talk show et on va faire la passe à l'un de nos fidèles auditeurs, Bryce Ngachu depuis l'Allemagne, qui va s'entretenir avec nous, bien entendu, du match de l'année pour le 237. Le Basse Cameroun Douala contre Yaoundé, il va nous en parler. Et on va faire un petit peu de promo là-dessus et puis on va enchaîner sur le programme NBA de ce soir. A tout de suite pour le direct live. La radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse sur internet, www.radiooff.net. De la radio, les amis, on va enchaîner rapidement. On va faire la passe à notre fidèle auditeur et qui porte la casquette hein, de président et organisateur du Basse Cameroun. Douala contre Yaoundé sur le parquet de la radio off. Bryce Ngachu, mesdames et messieurs, Bryce, c'est quoi, mon frère? Ça va, Philippe, merci. Merci. Alors, Tu sans plus tarder, hein, tu vas enchaîner bien entendu sur cet événement majeur hein, du basket qui se déroule, tu vas d'ailleurs donner la date, hein, je ne la donne pas, tu vas en parler tout à l'heure, tu vas donner tous les détails. Je voulais simplement rappeler aux auditeurs que c'est la troisième édition, deuxième édition, hein, voilà, il faut le préciser. Donc allez, je te fais la passe à toi, hein, à toi la passe aveugle. La passe aveugle, voilà. Enchaîne, mon frère.
J'espère que je vais mettre le 3 points. Alors, merci, merci déjà à la radio off de nous soutenir dans cette campagne. Radio Off a été l'un des tout premiers supports et partenaires de Basse Cameroun depuis l'année dernière. Et donc, du Germanis Douala contre Yaoundé, tournoi de basket qui a lieu en Allemagne. La première édition a eu lieu en juin 2016. Et nous relançons donc une deuxième édition qu'on a intitulée l'édition de la fête nationale, c'est-à-dire The National Day Edition, parce que nous avons eu la chance que le calendrier soit tombé un samedi 20 mai. Et le 20 mai, nous savons, c'est une date très particulière pour l'histoire du Cameroun. Du coup, ça passe très bien avec le concept de notre événement qui est de réunir non seulement les basketteurs, mais surtout d'essayer de remettre un peu cette fraternité, ce sentiment patriotique qui nous anime. Et le plus simple, c'est de faire dans une belle ambiance, une ambiance sportive, une ambiance fraternelle. C'est pour ça que nous partons déjà sur la base du basket, qui est notre première passion. Si je dois remonter plus rapidement vers l'arrière, dans l'historique, parce que Cameroun existe quand même depuis 1999 en Allemagne. Oui. Nous avons eu une décennie de tournois de basket camerounais à 200 à l'heure. Des gars qui venaient de partout, de la France, de la Belgique, de l'Allemagne aussi. Et voilà, nous avons depuis l'année dernière donc repris, mais avec une autre forme qui est de faire jouer toute personne qui veut jouer. Oui. Que ce soit des niveaux amateurs. C'est la formule du tournoi. Voilà, c'est la formule du tournoi, c'est-à-dire on n'a plus besoin de venir avec une équipe complète. On n'a plus besoin de prendre tous ces gars du quartier ou bien de là où on vit ou de son club pour venir jouer maintenant. Si je suis de Yaoundé, je suis de Douala, ou bien je peux mettre de Bolova ou de une quelconque ville du Cameroun, l'essentiel c'est de dire ok, je veux jouer pour tel maillot ou tel maillot. Et voilà. Dès que tu es enregistré, il te suffit juste de prendre tes baskets, te mettre en route. Et tes coéquipiers te retrouveront sur place, ton maillot, des jolis maillots d'ailleurs, te retrouvera sur place. Et surtout une très belle ambiance, pas seulement du basket, il y aura d'autres modules. Je ne vais pas tout dévoiler aujourd'hui parce que bon, il y aura d'autres modules qui s'ajouteront d'ailleurs comparé à l'année dernière. Et surtout, je vois Simon là, il me demande depuis l'année dernière, ouais, c'est comment. Simon, si c'est la bringue là, viens. Francfort, c'est pas la blague. Voilà. Voilà. Tu veux le prendre par les sentiments là. Non. Je veux dire que tu touches son point faible. Son point faible. Non, mais il sait que ce sera du bon. Il sait. Oui. Donc en fait, c'est ça. Malheureusement, Andy n'est pas encore là parce que c'est aussi un des membres de notre association, parce que Basse Cameroun aussi c'est une association déjà à but non lucratif qui a maintenant cette activité ou bien cet événement annuel et d'autres projets aussi dans le pipeline. Voilà, en gros, pour ne pas être long. Donc, ça sera à Francfort le 20 mai, c'est un samedi. Toute une journée de sport, de musique, de culture et une nuit à la Simon Pierre. Voilà. Ah, le docteur, pourquoi tu viens apporter les soins dont tu as le secret, hein, le docteur NP. Le doc, hein? Tu dis? Moi, si je suis là-bas, c'est pour le titre de MVP. C'est pas pour rien qu'il fait ses pompes là depuis de manière très, très, très. Il dit que tous les jours. Les gars, mais chaque fois qu'il fait ces trucs là, je cache une fois que ma femme regarde ça parce que sinon elle va me mettre la pression pour rien. Ah non, c'est. Je cache. Donc, quand même, Philippe, oui. Je sais pas si je l'ai dit. Le tournoi est vraiment ouvert à tout sexe. Missy est la bienvenue. L'année dernière, nous avons eu une dame qui a joué parmi les hommes. Et tout âge, tout sexe. Il y aura aussi des choses pour les enfants d'ailleurs. Mm-hmm. Donc tout le monde est bienvenu. Nous avions eu l'année dernière la participation de
de Adinana, que nous connaissons tous en tant qu'international. Camerounais. Gaston Essengue, qui a malheureusement pas pu être dans la dernière minute, mais qui était le parrain de l'événement. Et naturellement, nous ne pourrons pas manquer de souligner cette disparition tragique de Charles Sibetieu, qui était aussi personnes qui a boosté notre tournoi l'année dernière et qui s'est éteint un mois plus tard. Donc aussi pour cette édition, le 20 mai, nous aurons une pensée très particulière pour Charles et pour sa famille et ses amis. C'est excellent, excellentissime, on va dire ça comme ça. Alors les dernières questions, hein, sauf s'il y a des auditeurs sur le parquet. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me couper, hein, mais je vais quand même poser ma question d'abord. Vas-y, donne les éléments clés, hein, de connexion pour se connecter. Basse Cameroun, le site internet, tout ça, la page. Ok, super, super, très bonne question, merci. Déjà, nous avons un site internet très simple, www.bascameroun.com, Basse, B-A-S-K, et Cameroun en allemand, A-M-E-R-U-N, bascameroun.com. Sur Facebook, le même Basse Cameroun, B-A-S-K-A-M-E-R-U-N. Sur Twitter, sur Google, sur YouTube et sur Instagram, nous sommes aussi présents. Et toute personne qui voudrait s'inscrire au tournoi ou bien lire un peu plus sur ce que nous faisons, ce que nous prévoyons, est priée de nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur le site internet. Et les inscriptions pour les joueurs sont faites online sur notre site internet. Un formulaire très facile à remplir en 3 étapes. Et la confirmation de participation est très vite faite aussi dès lors que la personne a rempli toutes les conditions. Très simple. Mmh. Voilà. Ok. Est-ce que des cadres comme Dimitri ici présent, est-ce qu'on a le droit de prendre un peu d'alcool Comme on l'a dit. C'est Dimitri, tu as besoin d'une petite goutte, hein, ou pas? Bien sûr. Le tournoi est vraiment, on dit tournoi, mais c'est vraiment une partie de plaisir. C'est une partie de plaisir parce que... On est là pour s'éclater. Ouais, le fun est au milieu de toute la journée. Et comme j'ai dit, on commence par, bon, je vais pas tout décrire naturellement, mais tout le monde y trouve son compte parce que ça prend compte de tous les niveaux, de tous les bidons, pour ceux qui n'auront pas les six-packs. Tu fais bien de préciser. Tous les bidons. Tous les cylindres. Et laissez vous surprendre pour ceux qui viendront pour la première fois. Oui. Vous serez agréablement surpris. Je convie tout le monde. Philippe, l'année dernière, tu nous as dit oui. Il y a Christelle, il faut d'abord que je lui passe la bague au doigt, ma chère. L'année a été compliquée, hein, mon frère, tant que ça se passe. Je sais. Hein? Donc, une année. Voilà. Non, c'était une belle année, mais tu sais comment ça se passe. Non, je sais. Il fallait travailler pour la radio. Là, maintenant, on pousse. On va pousser. Mon frère Baganté, là-bas au State, là, lui aussi, qui se met en route. Et puis, on va régler ça sur le parquet à Francfort. Il te dit, si c'est Pierre Sue cuisiné, menu étalé, avec vision nocturne sans lumière, ça va être là. Ah mon pauvre. On va régler tout ça. Parce que en plus avec l'allemand, on vend bien la bière. On vend que la bière à 1 litre. J'aime la bière. Je suis là. Voilà. C'est bon. Ok. C'est bon. Allez. Ok. Voilà pour le Basse Cameroun. Basse Cameroun 2017. Basse Cameroun 2017. Toala contre Yaoundé, le match de l'année. Et on rappelle la date, hein, ce sera le 20 mai 2017, hein, date clé, date chère au cœur, hein, de tous les amis et tous ceux du 237, les amis, la famille, tout le monde, hein, c'est comme ça, hein, nous c'est la famille, racines, hein, c'est l'histoire, voilà, c'est les racines, c'est l'histoire, hein, donc voilà, c'est comme ça que ça se passe sur le parquet de la Radio Off
Donc, merci infiniment, Bryce, hein, de nous avoir donc parlé. On va, tu es avec nous, hein, tu fais le show avec nous, hein, puisque quelle question. On a encore beaucoup de, comptes. Enfin, tu as encore beaucoup de comptes avec nous ce soir. On a encore beaucoup de rôles à régler. On va dire ça comme ça. On va faire le point. On va faire le point sur ça. Allez, on va enchaîner avec. Sauf si vous avez, si quelqu'un a des questions maintenant ou bien pour plus tard. Vous n'hésitez pas, vous me faites signe au courant de l'émission. Il n'y a pas de souci. On va enchaîner rapidement avec le Twitter NBA Show. Vous êtes bien sur Radio Parquet. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Voilà, voilà, c'est comme ça que ça se passe sur le parquet de la radio. Les amis, on va enchaîner sans plus tarder ce Twitter NBA Show. Je voudrais simplement, avant de commencer, rappeler rapidement l'adresse du site internet hein, de notre partenaire hein, Basse Cameroun. Hein, donc www.bassecameroun.com, hein, je rappelle www.bassecameroun.com. Voilà, étant les choses étant dites, étant faites, on va dire ça comme ça. Hein, Bryce, on enchaîne rapidement avec avec le show de ce soir. On va se déplacer d'abord du côté des Pelicans. On va du côté des Pelicans pour prendre un peu quelques nouvelles du dos hein, de notre cher Anthony Davis hein, qui s'est encore blessé. Hein, on va dire ça comme ça. Hein, c'est une Bryce, vu que vas-y enchaîne, je te pose la question comme ça tu t'échauffes vite. Mm-hmm. C'est une habitude c'est notre petit frère Anthony Davis, il continue à s'il s'est fait mal au dos le dernier match c'est encore fait mal au dos. Il n'est pas certain d'être présent mercredi contre le Magic, mais hein, Anthony Davis hyper talentueux, mais quelle fragilité qui fait peur. Ouais. C'est dommage parce qu'il a vraiment un talent quand même. Un talent fou avec beaucoup de cordes à son arc bien ajustées. Et bon, on ne peut lui souhaiter que la guérison. Bon rétablissement, oui. Bon rétablissement. Finalement, on ne sait pas si c'est le rythme de la NBA qui éprouve tout ça. Il semblerait que c'est son dos. Hein. C'est son dos qui. Donc c'est son dos. Ouais. Son dos, cette taille-là, je sais pas comment. Enfin, je sais souvent. Pour les pivots, les joueurs de très grande taille. Les grandes envergure. Voilà, c'est le dos, les genoux, les chevilles, ce sont les points clés de leur corps. Il doit avoir les hamstrings qui sont tight et ça remonte au niveau du dos, donc ça pull up. Tu vois un peu, non oui. Ça va aller. Si c'est le dos, c'est bon, ça va, ça ira. C'est quelques thérapies, ça va aller. Oui, il a la seule thérapie pour lui. Il doit être surchargé, il faut relaxer. Seulement, il n'a pas tué de tout. Il n'a pas fait quoi? Il n'a pas tué de tout. Il faut relaxer. C'est un enfant. Je dis déjà à mes frères burkinabés, si vous ne comprenez pas l'expression, il n'a pas encore tué. C'est pas à l'émission de ce soir que vous allez savoir ça. Moi, je veux pas aller raconter des choses comme ça. C'est vrai que je mets déjà le parental advisory. On met le parental advisory sur toutes nos émissions, mais quand même, il n'a pas encore tué. Allez, on va enchaîner. On va du côté de Chicago pour parler de Nikola Mirotić, un autre joueur clé de cette équipe de Chicago qui est aussi malade depuis 4 matchs, hein, ça fait 4 matchs qu'il n'a pas joué, il souffre d'une petite grippe. Il sera, apparemment, il va beaucoup mieux, il sera présent ce soir pour affronter l'équipe de Mavericks, des Dallas de Mavericks, hein, Nikola Mirotić qui sera donc présent pour ce game. On va enchaîner, on va aller du côté de. Oui, excuse-moi, parlant de Mirotić, il a perdu beaucoup de.
de masse. Kilos. Il a perdu en masse. Beaucoup de kilos. Perdu, en fait, depuis le 9 janvier, il a perdu 8 pounds. Ça peut faire environ près de 4 kilos. Ah oui, en quelques même. Jours, nous sommes le 17, en 8 jours, il perd 4 kilos. Ah oui, oui. La maladie l'a vraiment touché, quoi. Ça l'a vraiment touché, oui, ça c'est clair. Ouais, oui, on rappelle que Kevin Love, il y a quelques semaines, je crois un mois, il avait aussi eu un souci un peu similaire. Hein. Je sais pas si c'est une gastro ou quoi, mais il avait aussi perdu pas mal de kilos. Kevin Love qui n'est pas en super forme en ce moment. il n'est pas très en forme. On reviendra sur sa situation tout à l'heure. On va se déplacer du côté de Détroit cette fois pour aller prendre l'info que nous a donc donné le GM de cette franchise, Tom Gores, qui a donc désigné le joueur prioritaire pour les prochaines re-signatures du côté de Détroit. Il s'agit de Kentavious Caldwell-Pope, qui est le joueur prioritaire pour le GM Tom Gores pour être re-signé, du côté de Détroit. Ensuite, on va aller du côté de Houston pour suivre le commentaire d'un expert NBA qui s'appelle Chris Mannix. Alors Chris Mannix, il nous dit que pour lui le coach de l'année, c'est clairement Mike D'Antoni, tout simplement Mike D'Antoni, le coach de l'année, qui il souhaiterait vraiment qu'il soit à remercier ou à féliciter suite à l'extraordinaire saison des Rockets. Missy? Oui. Est-ce que tu serais d'accord avec Chris Mannix? Pourquoi pas si Houston continue à garder la forme qu'ils ont? Mike D'Antoni, coach de l'année, pourquoi? Pour toi, tu en penses quoi? Non. Non, non, pas pour toi. Non, mais génie de l'année, oui, pourquoi pas? Ouais. Sa faculté à avoir transformé James Harden. Parce que James Harden, c'est quelqu'un qui vous fait le ballon. Donc maintenant, il lui a permis de travailler plus pour les autres. Oui. Quand les défenseurs commencent à le cibler pour essayer de lui prendre le ballon et tout ça. Maintenant qu'il fait des passes, il est mieux. En plus, il est mieux au rebond et il met ses points. Donc, le tout, on y gagne et sa défense est considérablement améliorée. Mais quand on s'appelle James Harden, on aspire à être MVP, on est obligé d'évoluer et de s'améliorer. Ouais. Et c'est là où a été tout le génie de D'Antoni. D'Antoni, n'oublions pas simplement qu'on dit aujourd'hui bon coach. Mais s'il est encore là des années et des années après, c'est qu'il est quand même un bon coach. Dans le passé, beaucoup d'équipes ont quand même profité de ces bonnes solutions en tant que coach. On découvre pas Mike D'Antoni aujourd'hui. On le redécouvre. C'est vrai que la période aux Lakers n'a pas été bonne, New York non plus. Mais on peut rebondir. Lui, voilà, c'est la preuve de ça. Mais de là à dire, bon, aujourd'hui... Coach de l'année, moi, pas parce que je suis des Celtics, mais je vois plus quelqu'un comme Brad Stevens qui est pour le coup en train d'apporter beaucoup aux Celtics. Hein. Alors on va poser la question à Eddie. Eddie? Oui, le big. Mike D'Antoni, candidat au titre de coach de l'année, pour toi, c'est crédible? Pour moi, il n'est pas candidat. On doit lui donner ça même maintenant, si on peut. C'est comme ça que ça se passe, hein, pendant le match des auditeurs. C'est comme les élections au pays, non? C'est comme les élections au pays. C'est qui va gagner à 92%, donc... Bref. Donc, juste pour dire que... pour moi, lorsque je juge la performance d'un coach d'une année, toute une année, toute une saison, je vois d'abord quel était l'état de l'équipe la saison précédente et quel est l'état de l'équipe actuellement. Ouais. Quand on voit tous les Rockets sont sortis,
et où ils sont actuellement, c'est à peine s'ils ont été qualifiés pour les playoffs la saison dernière. Alors qu'ils avaient un meilleur effectif que celui d'aujourd'hui, que de cette saison. Aujourd'hui, je sais pas, il n'y a pas beaucoup de monde qui soit capable de citer le 5 entrant de Rockets de cette saison. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent le faire. À moins que tu les suives de très près. Pas compter que entre temps, le pivot même de le pivot phare qu'on appelle Capella, qui a bien commencé la saison et tout, il s'est blessé. Ça fait un bon moment qu'il s'est blessé. Mais n'empêche qu'il continue d'accumuler les victoires. Ouais. Donc je me dis, voilà, on a une équipe avec des joueurs qu'on ne connaît pas trop. On a des Ariza qui sont déjà vieillissants, mais qui continuent d'être performants. On a des joueurs qui sortent de nulle part, mais qui apportent une pierre à l'édifice. Et au-dessus de tout, tu as James Harden qui, c'est en tant que meneur de jeu, qui a vraiment explosé. Ouais. Il se trouve, il est vraiment dans un autre monde. Pour moi, cette année, il est unique. Et on le voit bien même dans le comportement de ses coéquipiers, comment ils se comportent ensemble et tout, comment ils sont vraiment dégagés, comment chacun se bat vraiment dur en défense et tout, parce qu'ils savent qu'en attaque, Harden va leur passer le ballon, Harden va le trouver dans les bonnes positions de tir pour qu'il puisse marquer des points. Donc je me dis, voilà, c'est vrai, il y a James Harden. Qui a quand même grandi en leadership. Oui. Mais quand on voit le travail de D'Antoni, quand même, c'est lui qui a décidé de mettre James Harden dans le meneur de jeu. Et c'est lui qui a décidé de. C'est lui qui. Tout ce qui se passe, ce sont ses schemes, ses schémas. Donc, voilà. Stevens, les Celtics étaient déjà dans une bonne position la saison dernière. Donc, c'est pas comme s'ils étaient une faible équipe. Voilà, à continuer dans cette lancée, ils ont acquis un nouveau joueur, Al Horford et tout. Avery Bradley qui a vraiment évolué, qui est devenu plus fort. Je crois qu'il tourne à 18,5 points par match, un truc du genre. Des joueurs qui ont vraiment évolué et normal que l'équipe soit toujours où elle est. Mais moi, qui pouvait imaginer Houston numéro 3 de la conférence à cet instant? Qui pouvait l'imaginer? Ça aurait été compliqué. C'est pas mauvais. C'est un très bon avis. Donc voilà. Allez, on va enchaîner. On va aller du côté de Chicago. Hein, le doc. Oui. Alors le doc, je vais demander ton avis sur. Oui. Le doc. Je voulais te parler de la déclaration de Rajon Rondo, hein, les journalistes qui se sont approchés de lui pour lui demander son avis sur la situation qu'il vit, hein. On le sait, hein, on va pas rappeler ce qui s'est passé avec le dossier Rajon Rondo et sa menace de quitter le navire. Il a depuis peu changé d'avis. Il a décidé de suivre le droit chemin. Mais il a dit, alors concernant la situation, il a dit peut-être que ce problème était juste une question personnelle. Je parle de la situation de l'an dernier. Je déteste parler de l'an dernier, mais j'avais quand même fini meilleur passeur de la NBA alors que vous, en tant que journaliste, vous auriez été incapable de citer seulement 3 mecs dans cette équipe de Sacramento où je jouais. Je pense que j'ai toujours le meilleur profil si j'ai les bons joueurs. Le doc NP, Rajon Rondo qui, on va pas dire qu'il fait sa prodada, mais bon, il envoie un message clair. Il dit, bon, j'accepte de rester, mais je fais toujours partie des top élites. Point guard de la ligue, pardon. Oui, il précise que c'est Rajon Rondo, parce que quand il arrive à Chicago, on dit quand même qu'ils ont acquis Rajon Rondo. On ne sait pas, comme si ça passe pas inaperçu quand Wade et Rajon arrivent là-bas. C'est un événement quand même. On se dit que l'équipe a été renforcée. Ils perdent Paul Gasol, mais les gens parlent de renfort, hein. Pourtant, voilà, c'est pour ça que c'est Raja, c'est voilà, il a un nom, faut pas se cacher.
c'était le meilleur passeur de la ligue. Avec dans une équipe où, à part Boogie et quand Rudy Gay veut ou pas, ou je sais pas, et même à Dallas, c'était chaud, mais bon, pour d'autres problèmes, mais ça reste Raja. Ça reste un potentiel terrible. Et on le sait et on l'a dit ici, c'est une pièce majeure en vue des playoffs. Après, il faut se qualifier pour les playoffs, c'est un peu serré, mais on fait confiance à cette équipe des Bulls qui, après le All-Star Break, a assez de joueurs d'expérience pour savoir comment aborder cette dernière ligne droite, dont lui. C'est pour ça que, on l'a dit plusieurs fois avec Mopo ici, les gars, c'est l'histoire à un moment donné, dans des problèmes dans un club, les cadres savent se réunir dans les hôtels, aller manger au resto ensemble. Il a dit, ce sont ses coéquipiers qui l'ont sauvé. Voilà, c'est ce qu'on le disait même avant. Ils l'ont sauvé de lui-même. C'est pas une insulte aux autres joueurs. Certains prennent tous les joueurs, mais il y a des cadres qui ont des salaires qui vont avec les responsabilités d'une équipe parce que leur talent va aussi avec, qui savent se réunir à un moment donné et dire, écoute, voilà comment on doit fonctionner. Voilà, les cadres peuvent faire virer un coach dans tout sport au monde. Les cadres peuvent faire virer un coach, les cadres peuvent faire virer un général manager. Les cadres doivent à un moment donné, dans toute organisation d'ailleurs, prendre leurs responsabilités. Et pour moi, c'était ça, du moment que Wade, Butler l'appellent et lui disent, bon, voilà, et je ne sais pas qui d'autre, peut-être Taj Gibson comme ancien de cette équipe. Aussi, c'est des gens qui doivent, à un moment donné, lui parler et lui dire, mec, c'est des bêtises ce qui se passe là. Dès que la ligne droite va être abordée, la dernière ligne droite, nous-mêmes, on va imposer que tu joues. C'est-à-dire, pour l'instant, sois professionnel, on doit respecter, on est pro, on respecte le coach, sois pro. Mais dans la dernière ligne droite, on aura besoin de toi. Ouais. Donc, franchement, il n'a pas tort, hein, c'est... Il a un nom, il a l'orgueil, c'est Raja Rondo, hein, c'est une moyenne de 11-12 passes s'il est dans de bonnes conditions. Moi, c'est tant mieux pour les Bulls, parce que moi, les Bulls, j'insiste depuis, en play-off, ils vont déranger comme d'habitude. Je les vois pas aller en finale de conférence, mais ils vont déranger les gens. Ils vont déranger, oui. Vraiment déranger. Et qui sait ? Franchement, à part les Cavs dans cette conférence, tout est ouvert. Pour moi, en play-off, tout est vraiment ouvert. Ceux qui sont mal, je n'aimerais pas prendre les Pacers au premier tour s'ils finissent 8e ou bien 7e. Je n'aimerais pas. Je n'aimerais pas du tout parce qu'on sait qu'ils ont un potentiel. S'ils jouent tous ensemble et ils sont à leur niveau, même les Cavs eux-mêmes ne seraient pas contents de les avoir pour un premier tour. C'est vrai. Ils ne seraient pas contents. Donc, ce n'est pas gagné d'avance d'avoir les Bulls en face. Voilà, avoir les Bulls en face, c'est ce qui a chopé l'année dernière, vous vous rappelez. Toronto a fini 2e de la conférence. Mais Toronto, au premier tour contre les Pacers, n'était même pas favori. Il n'était même pas favori par les bookers, ni par les spécialistes, les analystes. Parce qu'ils tombaient sur une équipe habituée aux playoffs, une équipe emmerdeuse. Ils sont passés, Game 7. Deuxième tour encore, ils ont eu une histoire de game set. Je sais plus c'était contre qui, les Bulls même, je sais plus que. Non, c'est pas les Bulls. C'est pas un truc comme ça, mais ils sont allés encore dans un autre game set. Ouais, contre les Hornets. Game set. Donc, les Raptors sont peut-être la deuxième force de cette conférence, mais ils sont pas loin des autres. Et maintenant, quand vous voyez que Washington se réveille, on va en parler sûrement dans ton Twitter, un truc. Ça se complique pour tout ce qui est Raptors et Boston qui revient. Conférence très serrée à part l'ogre qui est en tête. Donc les Bulls font partie pour moi de ces équipes. Avec Raptors, c'est équipes qui peuvent déranger. Dimitri, tu es plutôt satisfait que Rondo ait décidé de rester. Et on se rappelle qu'il avait menacé de partir. Il a décidé de rester se poser tranquillement sur le banc et attendre son heure. Tu es satisfait ou bien tu aurais souhaité qu'il parte même? En même temps, ces menaces, c'était comme un coup de pied. Il va aller où? Comme ici, il a dit, il va aller où? Il pose la bonne question. Mais les Cavs l'avaient sous la loupe. Hein.
Les gars, bon, je ne sais pas s'il y a une équipe qui aurait été capable de le recevoir, une équipe dans laquelle je pense qu'il s'est rendu aussi bien qu'on l'a été avec Chicago en ce moment. Non, pas avec Boston, c'est le passé déjà. Le passé, oui, oui. Partir, c'est fait. Vrai. Mm-hmm. Non, parce que même à Sacramento, ça n'a pas été ça. Hein. C'est vrai qu'il a été leader au niveau des passes, décisives et tout, mais bon, il n'a pas été assez épanoui. Maintenant, ils ont l'opportunité de revenir chez les Chicago Bulls, de pouvoir s'exprimer, hein, même si jusqu'ici, il n'a pas encore entré dans les attentes du club. Voilà, il est arrivé. Bon, ça va pas. Je pense que ça ne lui fera pas du mal d'avoir été remis à l'ordre, parce qu'il comprendra qu'il avait des objectifs. C'est pourquoi il a été recruté. Il doit pouvoir les fournir. Ouais. Maintenant, il y a des joueurs à côté de lui, comme Dwayne Wade, comme Jimmy Butler aussi, bon, qui finit par satisfaire. Donc, voilà quoi, il n'a qu'à rester. Voilà, je pense qu'ils ont toute la chance à battre dans la conférence. Ils ont toute la chance. Après, ouais. Il a fait plus de même sortir les cartes, donc voilà, pourquoi pas. Ah oui, ça, ce serait vraiment la surprise du chef pour Willy sur le parquet de la radio. Alors bon, chez nous, on va aller du côté de Boston. Hein, on va parler du côté de Boston. L'équipe chère à notre fidèle auditrice Missy sur le parquet de la radio. Missy! On va parler de ton leader, on va dire ça comme ça. Allez, le temps de lui trouver un autre surnom, de ton leader, c'est quand même le leader de cette équipe, Isaiah Thomas. On rappelle qu'il est donc le leader de cette équipe, mais en plus d'être leader, il est surtout le leader des scoreurs dans toute la NBA pour ce qui est des quatrièmes cartons. Isaiah Thomas, le meilleur scoreur dans les quatrièmes cartons, dans le quatrième carton en NBA. Hein, avec 10,1 points en moyenne par quatrième quart-temps. Et non seulement il est le leader, mais on va dire que sur les 20 dernières années, il est devant des joueurs, des sacrés joueurs, hein, comme Russell Westbrook, avec 9,6 points saison. Kobe Bryant, avec 9,5 points. Ça, c'était pendant la saison 2005-2006. Et il est aussi devant un seigneur, hein, le king, hein, le seigneur des seigneurs, LeBron James. 9,1 points pendant la saison 2007-2008, pendant les quatrièmes quart-temps. Et le dernier de cette liste, hein, c'est quand même un monarque, hein, Tracy McGrady, tout simplement. Tracy McGrady, pendant la saison 2002-2003, il tournait à 8,6 points au quatrième quart-temps. Alors, on va dire quoi? Bon, la saison n'est pas terminée, mais... C'est quand même extraordinaire de voir ça. Elle n'est pas terminée. C'est extraordinaire de voir ça. C'est bien de voir qu'il n'a pas peur d'y aller. Il n'a pas peur des derniers tirs. Beaucoup de joueurs se diraient si on va perdre. Il a les coronas. Non, beaucoup de joueurs se diraient si on va perdre, c'est à cause de moi. Justement, lui vient avec la mentalité que si on doit gagner, c'est grâce. Il faut que je montre l'exemple. Je suis le leader de cette équipe. Oui. C'est surtout aussi par rapport à ça, il faut remercier aussi un peu Brad Stevens qui sait dans ces minutes cruciales dessiner les bons systèmes. Ça part de là aussi. Quand vous êtes dans les dernières secondes ou dans le money time, il faut toujours avoir les bons systèmes. Quand vous avez les bons systèmes, ça aide. En plus de ça, si vous avez un joueur capable d'y aller, parce que lui, il sait comment il va y aller, il est petit déjà, et ça en fait une force, hein, parce que lui, bon, maintenant, on se dit, bon, c'est quand même costaud de prendre les tirs sur les grands, les Joel Embiid qui font 2m13, les grands pivots, tous ces joueurs-là, ben lui, quand il vient... Je sais pas comment il fait d'ailleurs, il réussit parfois à passer au milieu de 2-3 joueurs, il a toujours sa main qui traîne, le layup va aller dedans, et en plus si vous lui tombez dessus, vous provoquez la faute, et comme c'est quelqu'un qui a 92% sur la ligne des lancers francs, dans le money time, soit vous l'attaquez, il met dedans, c'est 2+1, soit vous l'attaquez, il rate, c'est toujours 2. Donc vous êtes toujours, c'est un type de joueur qui est, vous avez du mal à le garder, parce qu'à la vitesse où il vient sur vous, il va provoquer la faute. C'est là maintenant, c'est un joueur pour lequel toute défense aura du mal. Ouais. Donc ça explique
ça explique aussi en partie ces chiffres. Hein. Je ne dis pas que c'est uniquement là-dedans. Là-dedans, oui. Mais il y a d'autres, c'est d'autres. Ça, quand vous êtes à droite sur la ligne des lancers francs et que vous êtes bon, et quand vient le money time, c'est là où les équipes ont tendance à perdre le plus de vigilance. Oui. Donc, quand vient le money time avec quelqu'un comme ça, vous pouvez difficilement vous être pris. Hein. Oui, c'est vrai. Mais c'est bien de voir que c'est quelqu'un, ce qui est bien avec lui, c'est que c'est quelqu'un qui a continuellement progressé depuis son année de rookie. Là où il est un petit peu en baisse, c'était quand il était au Suns. Mais au Suns, je pense que c'est le loupé de leur vie parce qu'il ne jouait pas beaucoup, il n'entrait même pas dans les plans du coach. Aujourd'hui à Boston, il est totalement épanoui. Bon, je dirais que il se prend pas la tête avec les gens. Oui, même c'est pas vrai. même pas avec Dennis Schroeder qui a insulté sa mère, je trouve ça toujours terrible de s'attaquer aux mamans, les mamans. Ouais, c'est pas cool, on va dire ça comme ça. C'est pas recommandé. C'est pas recommandé. Mopo, tu es là? Alors Mopo, s'il est devant son micro. Mopo, voilà, on continue sur Asia Thomas. Je voulais que tu écoutes sa déclaration. Il a dit, j'ai toujours voulu briller dans ces moments en grandissant. J'ai toujours vu les meilleurs joueurs prendre le contrôle des matchs en ces moments-là, que ce soit Kobe, Allen Iverson, Jordan, et il faisait comme si c'était juste une autre possession, un autre match. C'est comme ça que je le ressens quand je suis sur le parquet. Je tente juste de jouer et d'être agressif. Et comme je l'ai dit, je veux vraiment ce moment. Beaucoup de gars ne veulent pas prendre des tirs importants. Ils ont peur car il y a la possibilité de rater. Moi, je travaille trop dur pour ne pas tirer avantage de cette chance. Un mot pour Asia Thomas, hein, très menaçant dans les quatrièmes cartons en NBA. Ah, mais c'est pas nouveau, hein, depuis l'université. Depuis l'université, oui. Il a toujours pris les derniers tirs. On a vu, il a gagné des matchs à la base de NBA, hein, mais c'est un habitué. Mm-hmm. Et n'oublie pas, c'est un gars qui est cool, il a toujours été dark dans sa life, de sportif, tu vois un peu, non? Oui. Il va aller dark, tu vois un peu, non? Il est tout minus, parce qu'il n'a qu'un mec, tu vois un peu, non? Il est tout short, tu vois un peu. Oui. Car c'est un peu ça, c'est que c'était l'image typique et voir aujourd'hui être le leader d'une équipe comme les Celtics Boston, une équipe emblématique en plus, tu vois un peu, non? Oui, ou de grands joueurs. Donc de là, tu commences à apporter la chaussure des grands joueurs, donc. Pourquoi ne pas prendre le dernier tir? C'est le plaisir pour un joueur qui gère une équipe de prendre le dernier tir. Ça veut dire que ça confirme encore ta suprématie. Et il prend les tirs et il marque. Ce n'est pas comme s'il ne marque pas. Oui, il les met dedans. Parce qu'il a gagné en confiance. Et maintenant, depuis son dernier All-Star qu'il a participé la saison passée, je pense que là, il est en train de décrire son legacy. C'est un peu ça, le way. Hein. Ça va. Avance. En tout cas, ça fait plaisir hein, de voir évolution de ce joueur et son caractère. Hein. Oui, le doc, tu voulais enchaîner? Non, mais pour moi, c'est vraiment le phénomène. Hein. Comme on le disait la dernière fois sur ce débat entre lui et Kyrie Irving, quand je disais pour moi, c'est 50-50, mais qu'il est au-dessus par rapport à aux responsabilités et d'où il vient. D'où il vient surtout. Hein, et c'est, quand tu le vois jouer, tu comprends pourquoi... un gars comme tu comprends le résultat aussi du travail depuis qu'il bosse avec Floyd Mayweather, hein, c'est quelqu'un qui bosse. J'ai vu des séances de practice pendant l'été ensemble et ça bosse dur, hein. Il bosse énormément. Il a le mental d'un boxeur maintenant comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la peur, hein. Et c'est vraiment à cette taille, c'est extraordinaire ce qu'il fait. C'est normal, c'est deux nabos, il doit L'autre nabo prend les millions, hein. Il prend un million. Justement, on dit, il quand tu marches avec un pauvre, tu vas rester pauvre. Tu vas rester pauvre. Voilà. C'est pour ça. Voilà. Non, mais... Ils sont pleins de prêts, hein. Il est au terrain l'autre jour. Ce qu'il faut préciser autre par rapport à ses stats et par rapport à Kobe Bryant. Kobe Bryant, en fait, c'était un très bon joueur, mais il a un très mauvais ratio au niveau du tir.
c'est quasiment un tir sur deux qu'il pouvait rater. Hein. Ouais. Sinon, il serait vraiment de, même de loin meilleur marqueur de cette ligue. Hein. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Allez, on va enchaîner avec le tuto NBA Show. Alors, les derniers tweets, hein, les derniers tweets qu'on va aborder tout à l'heure, hein, font partie de la deuxième partie du match d'auditeur. Donc, je me suis dit, allez, autant enchaîner avec ça maintenant, vu que ça concerne quand même Carmelo Anthony, les Knicks de New York. On va un peu faire le point sur sa situation. On va commencer par d'abord la nouvelle stratégie du coach Jeff Hornacek. On va faire réagir Bryce. Bryce. Oui. Alors Bryce, le coach Jeff Hornacek des Knicks de New York qui a décidé d'utiliser la polyvalence hein, de sa star Kristaps Porzingis. Hein, Kristaps Porzingis, il a décidé de le faire jouer pivot. Hein, tout simplement, il a décidé de le faire jouer pivot. Alors, les journalistes qui sont passés du côté du centre d'entraînement de New York lui ont posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils prenaient ces décisions. Hein, bon, on rappelle quand même que du côté des intérieurs, hein, il y a quand même quelques soucis. On va parler de Joakim Noah. Joakim Noah qui a énormément de soucis avec son épaule. Je crois que son épaule gauche, je ne dis pas de bêtises. Il a beaucoup de douleurs avec son épaule. Il a du mal à c'est un prétexte. Dimitri qui dit que c'est un prétexte. Joakim qui souffre au niveau de son épaule. Et donc Jeff Hornacek a décidé de faire jouer Kristaps Porzingis au poste de pivot. Il a dit nous allons tenter toutes les solutions possibles pour aider l'équipe à gagner. Alors Bryce, on sait que Kristaps Porzingis est un joueur très polyvalent, mais est-ce que tu très penses polyvalent. Que c'est quelque chose qui, sur le moyen ou le long terme, ça peut les aider? J'ai vu leur match hier. Mmh. Je pense que où j'ai trouvé vraiment qu'ils ont bien joué, surtout j'ai vu deux nouveaux rookies, voire un, je crois c'est un. Il y a un rookie là, j'ai oublié son nom qui a assez bien joué. Voilà, Paul Baker, respectivement. Paul Baker, Ron Baker, voilà, mm-hmm. qui m'a assez impressionné parce que je le d'ailleurs, sais pas. D'ailleurs, Carmelo l'a remercié. On parle beaucoup de Carmelo ouais. aujourd'hui. Mais vas-y, ouais, continue. Ouais, mm-hmm. ouais donc j'ai apprécié leur niveau de jeu. Bon, malheureusement, ils ont pas gardé la tête froide sur la dernière action. Ils ont perdu, surtout Carmelo un peu. Ouais. Mais je pense qu'à long terme, si naturellement Joakim Noah, vu qu'il ne peut pas augmenter son niveau offensif, ça peut être une option. C'est peut-être pas constante de laisser Porzingis en 5, mais selon les phases de jeu et de temps en temps, pourquoi pas. Et la défense, oui, c'est une option en plus que les New York sont en train de se créer comme ça. Mmh, mmh. Ouais. Donc, bon, naturellement, naturellement. Le fait que Porzingis jouait derrière la ligne de 3 points, ça permettait au jeu d'être un peu plus écarté. Ça faisait aussi d'autres, ça créait d'autres possibilités pour d'autres joueurs. Ce sera selon les phases de jeu que le coach devra trouver la bonne, le bon mélange. Mais c'est bon de le tester là comme ça déjà. C'est plutôt positif. Eddy, tu es d'accord, Kristaps Porzingis au poste de pivot à New York? L'idée n'est pas mauvaise. Quoique les pivots ils tirent maintenant tous, hein, donc c'est pas. Ouais, le truc c'est que je l'ai pas encore vu jouer dos, hein, dos au poste, hein, dos au panier. Mais l'idée n'est pas mauvaise, mais non. Tu envoies Kristaps Porzingis qui au poste les pivots de tuer son jeu. Toi tu es contre, hein, Mopo. Ouais, tu l'envoies parce que d'abord il est encore en train de travailler sa forme physique. Il n'est même pas prêt pour jouer. Il joue pivot. On met contre un Embiid, Embiid va donner 60 points dans un match. Il n'est pas encore prêt pour jouer pivot. Oui, oui. Lui, il essaie de jouer comme ça, mais dos à la main, là, quand il joue, il n'est pas fermé. Il a le bon forward, mais il n'est pas prêt pour jouer pivot. Quand on laisse pas forward, là-bas, il continue de tirer son meneur au small forward, mais pivot, no. Mm. Eddy, comment tu réagis aux déclarations de Pierre? Bon, ce que le Big Mopo dit quand même, c'est en prendre en considération. Oui. Mais seulement, je me dis, c'est un petit qui est mentalement fort. Oui. C'est-à-dire que même si c'est que bon, il peut avoir des difficultés en défense, mais en attaque, il va poser problème.
Joel Embiid peut peut-être lui donner 30 points, mais Joel Embiid aura des difficultés à défendre sur lui parce qu'il va il va attirer Joel, il est bien plus mobile que Joel Embiid. Oui. Ça c'est vrai et je vais te poser une question, c'est un peu dit. Préfères-tu tu es conscient que si Joel Embiid vient trouver, si Joel Embiid vient pour une défense quand il est en train de chaffer, il va tuer Joel Embiid chaque jour, non? Parce qu'il est dehors, il est habitué à tirer. Tu ne peux pas le compter. Alors que par contre, si tu as, s'il est dos à l'anneau face à Joel, tu un peu, non? Oui. Dos à l'anneau, en défense, Joel en défense, Joel en facile, c'est très simple. Tu stays en U-ground avec une main, dès qu'il se retourne, c'est un black, easy, sans bouger. Tu vois un peu le truc, je te comprends ton côté, l'aspect là, mais le problème, c'est que dans le basket, ça ne sert à rien que tu marques 30 points et tu ne peux pas défendre les 30 points en bas. Tu vas te faire meurtre, tu le veux, non? Donc ça veut dire que tu as un facteur, et ce facteur en défense, ça va tuer. Parce qu'on a vu des matchs où les gars ont perdu parce qu'ils avaient un maillon faible en défense, c'est ça le truc. Parce que si tu scores 30 points et tu ne peux pas défendre les 45 points, ça ne vaut pas la peine. Ça veut dire que tu ne mets rien au terrain, tu marques juste, mais qu'est-ce qui se passe en défense? C'est la même chose qu'on est en train de voir aujourd'hui avec les Thunder. Le jour où Russell Westbrook score 42 points, ou bien le jour où il fait un triple double avec plus de 30 points, il gagne le match. Mais le jour où il faut au moins que ça ait une mauvaise défense, il perd. C'est ça le facteur. Maintenant, on fait c'est ça le facteur, oui. Il marque, il ne défend pas bien, au poste 5. Or, tu préfères qu'il joue 3 ou 4. Il essaie de gêner à l'extérieur. Il a 7 full wings fair. Il lève les mains comme ça, c'est facile de gêner. À mes charges au basket, tu vois un peu de quoi je parle. Non, non, c'est, ce que, c'est bien ce que je disais, non, que ce que tu dis est vraiment. Vraiment sensé, c'est correct, mais ce que je veux dire, c'est que bon, ça va dans les deux sens quelque part. C'est vrai que et je suis d'accord avec toi pour le fait que ça va diminuer son jeu parce que c'est pas quelqu'un qui est habitué à jouer dos au panier. Mais seulement, je me dis, il va mettre beaucoup de big en difficulté aussi en quand il aura la balle. Mais bon, oui, ça c'est vrai. Comme tu l'as dit, c'est pour ça que je disais, c'est selon la phase de jeu et la défense en phase de jeu. Ça va poser problème. C'est un bon point. Donc, plutôt, voilà. Le oui, mais c'est rapidement une réaction. Le problème aujourd'hui, c'est comme on dit toujours, c'est une question de trouver les bons éléments à assembler dans les drafts. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, quand on a un bon joueur, on croit qu'il peut jouer n'importe où. Il faut maintenant, quand on regarde par exemple les Warriors, ils ont ajouté Kevin Durant. Ils ont ajouté déjà une pièce expérimentée à qui on a fait essayer d'autres choses. Beaucoup plus défensif, il est beaucoup plus machin. Il est mieux dans tous les compartiments du jeu. Mais ça, tu ne fais ça qu'au bout de quelques années. Si tu es vraiment un bon joueur, ton jeu évoluera de lui-même. Parce que tu vas être dans les situations où tu vas permettre au jeu d'évoluer. Mais maintenant, lui, il est beaucoup trop jeune. Il faut la consistance. Pour faire ce qu'il peut faire là. Mais maintenant, c'est, New York a surtout un problème. C'est qu'il faut qu'il mette de l'ordre dans cette équipe. Oui. Ils ont les joueurs avec le potentiel. C'est maintenant, il faut définir réellement qui fait quoi. Carmelo Anthony n'est pas un joueur vraiment défensif. Comme tu le sais. Maintenant, Je te coupe un, Missy. Je te coupe un. On va revenir sur Melo. On va revenir sur Melo. Je voulais interroger Dimitri. Je te coupe pas parce qu'on va revenir. On va revenir sur Melo tout à l'heure. Dimitri, j'ai une nouvelle. Oui. J'ai une nouvelle pour toi qui vient tout juste de tomber là. Ça va aussi intéresser. ça va intéresser Mopo. Dimitri. Oui. C'est Blake Griffin, Blake Griffin qu'on attend. On attend son retour sur les parquets. Hein. On sait qu'il est un peu, il est blessé en ce moment. Alors Blake Griffin, il semblerait qu'il va être le producteur du remake d'un film que tu as aimé. Hein, je suppose que tu l'as aimé, tu as dû le voir. Il s'agit du film Les Blancs ne savent pas sauter. Hein, Blake Griffin qui va produire le remake de ce film. Est-ce que Dimitri a vu le film? Dimitri, tu as vu le film, non? Il a vu quand même. Avec Wesley Snipes, voilà. Tu as vu Mopo, t'as répondu, il a vu. Avec Wesley Snipes. Donc il va faire un remake, il va produire un remake de ce film. On rappelle que ce film est sorti en 1992. Pour ceux qui ne le savent pas, pour les plus jeunes, hein, allez sur YouTube. Hein, il fait partie d'un des on peut dire des meilleurs films de tous les temps en matière de basket, en tout cas de mon humble avis. Pour ceux qui ont d'autres références, vous êtes libres, ce film-là, je l'ai particulièrement apprécié. Alors, Blake Griffin va produire un remake de ce film, Dimitri. Un avis dessus?
Mopo va encore dire qu'il sert à rien, il passe son temps à produire. Bon, oui, c'est vrai, on peut dire vrai, il sert à rien. Bon, il a les détentes, il sert à rien. Quand il allait jouer au basket, il produit les films. Quand il allait jouer au basket, il donne tout pour la gare. Et c'est un excellent acteur, hein, Blake Griffin. Je ne sais pas si tu l'as souvent vu dans les pubs. Il est assez fort dans les pubs. Non, moi, voilà son seul rôle en NBA. C'est fait. Hein, Dimitri, vas-y, enchaîne après, Mopo va réagir. À date 2013-2014, je sais pas dans quel pub je le voyais déjà. C'est vrai qu'il n'est pas mal acteur. Hein. Bon, il peut se reconvertir là déjà. Si le basket c'est pas sa chose, c'est pas mauvais. Donc, ils ont l'argent, c'est tout. L'argent. Voilà. Il perd le temps à Chris Paul. Il aurait pu partir à New York. Il peut en avoir. Et c'est pas lui. Hein. C'est pas eux qui vont quitter la planète. C'est comme LeBron James là. Il travaille sur un documentaire sur Mohamed Ali. Ils ont les gens. T'inquiète pas. Ah, il travaille sur un documentaire. Bon, c'est bien. Oui, LeBron, sur Mohamed Ali qui va pour le, d'ailleurs. Le film, tu veux le revoir s'il fait un remake du film Non, je veux pas. Mopo, vas-y, caresse dans le sens du poil comme tu sais le site bien le faire concernant Blake Griffin. Blake Griffin qui veut faire un remake de ce film au lieu de se concentrer. Tu te rappelles, Eddie était en live. Eddie était là samedi, non? Qu'on n'a pas fait Blake Griffin. Oui, oui. On n'a pas besoin d'attendre Blake Griffin. Il est là dans son fait. Son film est là, c'est passé propre. Ça se voit déjà bol. Maintenant, il chope dans son après d'eau. Donc là, maintenant, sont les extras. Il fait son bon film, il a son petit salaire à côté. D'ici peu, tu vois, qu'il a encore tourné, gars, ça ne vaut pas la peine. Qui continue de tourner ses publicités avec Jordan et tout, les tennis et nanani, nanana, en ligne, c'est tout ce qu'il est bon pour maintenant. Même quand il va tourner un film, il faut juste le faire physique. Tu es en guerre, ton équipe pour aller faire des films, c'est maintenant ça ton nouveau boulot. Vraiment, je comprends pourquoi. Elle est là vraiment, le Dieu change les gens, hein. Mais mon pauvre. Tout ça c'est top Rivers, c'est top Rivers, c'est lui. Tu dis que c'est la faute du Doc, hein? Doc Rivers, il faut le préciser, pas le Doc NP sur le parquet. Le Doc, c'est deux docteurs sans le même pas. C'est lui qui a demandé à Blake Griffin d'être soft. Et l'argent de quoi qu'il lui donnait? Tu as l'argent de son talent, non, mon frère? Il faut l'argent. Quoi? Le talent. Aussi, il faut le talent. Non, mais. Oui? Eddie? Ouais, le big. Eddie, tu connais toi-même, tu as vu Blake Griffin jouer à Oklahoma. Quand tu vois le Blake Griffin de maintenant et le Blake Griffin d'Oklahoma, tu ne vois pas que son nez, ses yeux ont changé. Il n'a plus la même âme. Tu te rappelles, non? Blake Griffin, tu te blessais sur la plaque. Quand il joue avec OU, mon frère, c'était un gars qui était. Il s'est blessé sur la plaque une année. La tête. Ouais. Il allait à fond, quoi. Il allait vraiment à 200%. C'est ce que tu veux dire. Non, c'est quelqu'un qui bossait. Il a gagné en muscle et tout. Mais jusque-là, je ne pense pas que son regard a changé. Il n'a plus le même regard. Il n'a plus la haine. Il a là beaucoup de millions. Quand tu donnes plus de 100 millions, tu penses que tu vas encore jouer la même chose, mon frère. C'est comme si tu te dragues aujourd'hui. Le jour où tu l'as marié, un TG, puis la même chose. Cette différence a changé. Oui. Allez, on va donc enchaîner avec cette dernière partie du Twitter NBA Show. On va faire le point sur Carmelo Anthony. Alors, je fais le point sur les toutes dernières. Infos qui sont tombées hein, concernant Carmelo Anthony. Hein. Alors depuis hier ou avant-hier, on parlait d'une possibilité d'une séparation entre Carmelo Anthony et les Knicks de New York. Alors ce qu'il faut préciser par rapport à son contrat, hein, ça c'est l'expert Adrian Wojnarowski qui nous donne la précision, mais c'est quelque chose qui était quand même déjà connu. On précise que le contrat de Carmelo Anthony, il n'y a pas d'option de trade hein, dans son contrat. Ce n'est pas précisé. Il n'y a pas d'option de trade. Par contre, si les Knicks veulent bien entendu se séparer de lui, ils sont obligés de le waiver, ils sont obligés de le virer tout simplement et payer bien entendu ce qu'ils lui doivent. Alors Melo, alors il y a Melo qui a donc il a eu des entretiens avec une experte qui s'appelle Ramona Shelburne avec qui s'est entretenu avec Carmelo Anthony qui a précisé qu'il était bien conscient des difficultés de l'équipe, mais bon, il estimait qu'il n'était pas
fautif hein, sur la situation, puisqu'il estimait qu'il a toujours donné tout ce qu'il avait sur le terrain, qu'il n'avait pas apprécié les déclarations de Phil Jackson. Vous vous souvenez, Phil Jackson qui avait régulièrement réagi de manière assez négative sur Carmelo Anthony. On n'oublie pas aussi les déclarations de son ancien coach George Karl, hein, qui a mis le feu avec son livre hein, de son ancien coach aux Nuggets. Mais il semblerait donc que Carmelo Anthony a rencontré Phil Jackson aujourd'hui. Hein, on rappelle, ils ont eu un rendez-vous. Aujourd'hui, ils ont discuté pendant de longues heures et Ramona Shelburne rapporte que Phil Jackson a donc demandé à Carmelo Anthony s'il souhaite rester à New York, et Carmelo Anthony qui a reconduit hein, sa volonté. Il a bien précisé qu'il veut gagner avec New York, il veut rester chez les Knicks de New York, il n'a pas l'intention de partir, il ne veut pas partir, mais il le dit ainsi. Il a dit si les Knicks veulent prendre la décision de se séparer de lui, hein, il ne va pas les supplier pour ça. Et l'expert très connu Stephen A. Smith qui a précisé que Carmelo Anthony a vraiment besoin de sortir de l'enfer des Knicks de New York pour avoir une chance de gagner un titre, mais on le voit bien dans la volonté de Melo, c'est bien de rester à New York. Le Doc Wendy. Oui, Mopo, vas-y, réagis et après le Doc va réagir. Vas-y, le Mopo. C'est très simple. On a passé deux jours. Oui. Melo est malin. Le seul où c'est qu'il n'a que sur le côté, mais encore le bail reste, c'est deux. Donc, si vous voulez le côté, il court ailleurs, il gagne son salaire, sûrement son compte bancaire, lui, il perd quoi. Mm-hmm. Mais une chose est sûre, il est temps pour Melo de quitter à New York. Ça, oui, c'est sûr, parce que c'est pas avec New York qu'il va gagner là-bas. Tu m'en prévois, non? Oui, donc, oui. Il go quelque part, il commence à tourner. Après, ça, il suit plus le grand James. Ils appellent CP3. Ils font l'équipe gagner une bague pour ces deux gars. Parce que, même ailleurs, là, je pense pas qu'il va gagner la bague. Sauf s'il va jouer le grand James, peut-être, avec Kevin Durant et l'autre gars, l'autre côté, là-bas. En dehors de ça, je vois pas qu'il va gagner la bague. Oui, c'est compliqué. Le Doc! Est-ce que tu estimes que, parce que bon, il est clair hein, que la volonté de Melo hein, n'est pas de partir, il veut rester. Est-ce que tu soutiens l'hypothèse selon laquelle pour lui il a mis définitivement une croix sur un titre de champion NBA et que lui veut seulement brasser ses dollars quoi? Ça dépend. Parce que... je pense qu'à un moment il va réaliser qu'il a suffisamment d'argent hein, et que de toute façon tous parce les joueurs clairement il veut pas partir, il dit moi je reste hein, moi j'ai pas envie de... Non, mais c'est une façon, ça aussi, quand on dit qu'on reste, c'est comme... On rappelle aussi, je te coupe, excuse-moi, le doc, mais je voulais quand même rappeler qu'aucune équipe NBA ne s'est encore manifestée. On parle notamment des Cavs et des Clippers. Aucune de ces deux équipes ne s'est manifestée. Peut-être qu'il attend aussi une manifestation d'abord des équipes qui le veulent avant de se prononcer, le doc. C'est juste pour alimenter ta réflexion. Moi, pour mon avis, je veux te dire, en fin de saison... Right. Si les Cavs ne gagnent pas le titre et que ça se passe mal, il y aura un spot parce que Kevin Love, depuis, et c'est quasiment le même poste, Kevin Love peut bouger. Même si Kevin Love a un meilleur jeu dos au panier peut-être que lui, mais il y a peut-être ce spot-là qui peut s'ouvrir pour lui au Cavs et que Blake Griffin, qu'on a parlé, dont on a parlé là tout à l'heure, même si à un moment donné, si son corps continue ainsi, il va sauter et les Clippers auront peut-être ce spot parce qu'il y a aussi ce côté argent. Il va vouloir maintenir un certain niveau de vie. De nouveau, oui. Surtout pour Lala, il faut faire attention. Lala, elle va pas baisser ses prétentions. Effectivement, mais je peux te dire que le problème maintenant, c'est que les Clippers... Ouais. C'est garanti de gagner le titre. Alors que les Cavs, dans le sens inverse, l'arrivée d'un Melo, c'est encore une arme offensive terrible, même si défensivement ils perdent, parce que Kevin Love est quand même du lourd. Mais il défend. Il y a des sacrifices à faire. Regarde bien de l'autre côté, chez les Warriors, ils ont fait un sacrifice, ils ont ramené la meilleure arme offensive peut-être du monde. Ils ont perdu des défenseurs, mais ils font avec. Ils marquent beaucoup de points. Donc, pourquoi pas les Cavs?
Mais pour moi, Melo n'aura pas de titre à New York, comme on pourra dire. C'est vraiment, ça résulterait du miracle quand LeBron James pète les plombs et dit je vais jouer à New York avant de finir. Mais c'est ou que l'année prochaine, peut-être, c'est Curry qui veut toucher 250 millions qui arrive à New York parce qu'on ne sait pas plus avec qui d'autre, avec de Marcus. C'est à part un miracle de ce genre, franchement, et je ne pense pas que ça arrivera. Ouais. Je ne vois pas Melo gagner un titre s'il ne part pas dans un. Ouais, dans tout le monde est d'accord là-dessus. Hein. Je crois que tout le monde est assez. Oui, mais si. Moi, j'ai juste une chose à dire, c'est que tout le monde ne gagne pas de titre. Les Barclays, tous ces gens-là qui parlaient, faut oublier. Maintenant, tout le monde se joue. Quand on voit quelqu'un, on dit c'est pour gagner le titre. Il y a très peu de gens. Chaque année, il n'y a qu'une équipe. Il y a les gens qui ont deux titres, mais des fois même, on ne sait même pas qu'ils ont les titres et tout ça. Parce qu'il faut être au bon endroit, au bon moment. Ce n'est pas simplement être grand joueur. Tout le monde n'est pas Robert Torrey. Oui, oui, mais ce n'est pas ça. C'est qu'il faut pouvoir avoir la chance. Moi, le titre, quelqu'un qui a le titre que ça m'a le plus ému, c'est Jason Kidd. Il me souvient de ce titre de 2011 de Dallas. Jason Kidd, il était là, il a fait quelques playoffs, quelques finales et tout ça. Quand il a joué pour les Nets, il a joué pour plein de gens et tout ça. C'était un bon joueur. Mais maintenant, il faut facteur chance. Et aujourd'hui, on considère toujours le sport comme qu'on doit être là pour gagner, on doit être là pour gagner. Mais ceux qui gagnent, ce sont les gens qui gagnent à répétition dans ouais. tous les sports. Tu vois le football, tu vois les Cristiano Ronaldo, les Messi, il y a une raison pour laquelle ils gagnent. Parce qu'à eux tout seuls, ils font la différence. Quand tu n'es pas un joueur, à toi tout seul, tu peux amener le titre. C'est ça maintenant où est l'histoire. S'il y a eu les titres au Chicago Bulls, c'est parce que quand Jordan était là, la différence se fait. Il faut, dans une équipe pour gagner, avoir ce type de joueur. Mais le Missy, type qui va t'amener sur ça. C'est ça le problème aujourd'hui. Mais si tu es quand même d'accord que vu sa carrière à Melo, il fait partie des grands joueurs dont on va parler sans titre, c'est pas n'importe quel joueur. Il y en a. Oui, oui, ça, je n'en disconviens pas. Il est au même titre que Stockton. Il est au même titre que tous ces gens-là. Bon, j'irai pas jusque-là, mais... Non, en termes de personnes qui n'ont pas gagné de titre dont on va parler, mais il n'est pas. Ce n'est pas ni l'exception, ni la première personne. C'est là où je veux attirer l'attention des gens. Tu joues pour courir. Non, moi, je veux juste te dire une chose. Tous, quelqu'un, je ne connais pas un sportif qui dit, moi, le titre ne m'intéresse pas à gagner. Maintenant, pour gagner le titre, c'est compliqué. Oui. C'est compliqué, il faut pouvoir porter les choses. Mais en même temps, la chance, on peut la provoquer en allant chercher. En fin de carrière, on a vu des Malone, des Barclay s'associer avec d'autres parce que finalement, au niveau salaire, ils avaient déjà gagné suffisamment. Au niveau de leur équipe, ils avaient donné tout ce qu'ils pouvaient. L'équipe ne pouvait plus reconstruire autour d'eux. Donc, ils font s'associer avec d'autres. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est le dernier spot que Melo a. C'est qu'après toute une carrière de bons et loyaux services, on peut comprendre que s'il accepte de baisser l'argent qu'on coule en NBA d'ici l'année prochaine... Oui, il va sûrement se résoudre à ça. Mais ce que je dis, il y a des gens qui l'ont fait, mais ça n'a jamais marché pour eux. Exactement. Mais ça après, il faut essayer. Il peut essayer. Moi, maintenant, l'un des titres dont je suis le plus content et que j'ai vu la personne, c'est Jason Kidd avec Dallas. Oui. Donc c'est possible. Oui, Mopo. Une réaction de Mopo sur la question, oui. Je sais, je t'ai toujours dit un truc. Rappelle-toi, je t'ai dit en début de saison, pendant une période, Melo, Chris Paul, LeBron James vont se retrouver dans une même équipe. Tu l'as dit. Pour moi, c'est l'amitié LeBron James, Melo, ce n'est pas une amitié d'aujourd'hui. Et Chris Paul, LeBron James, c'est autre chose. Tu es un peu non? Oui. Et je te dis, quand ils sont en vacances, quand ils sont avec les B-Winners, ils s'asseyent. On les voit. Oui, tu vois un peu, non? Et à la fin de la journée, je ne vois. Donc,
C'est quand Melo a dit que je suis fatigué, mon tonton. Maintenant, retrouvons-nous, on fait l'affaire là. Tout le monde prend même les chalets pour aller venir là-bas. Il te dit, non, ils n'ont pas qu'il faut à l'autre, non. Ouais, Bryce. Comment est-ce que tu juges un peu la situation? Melo qui veut rester à New York, il ne veut pas se faire virer, hein. Il ne veut pas se faire virer. Moi, j'ai l'impression qu'il met une croix sur une possible possibilité de gagner une bague. Je ne le vois pas partir, même l'année prochaine, je ne le vois pas partir. Toi, comment est-ce que tu vois le truc? Bon, moi je partage déjà un peu l'avis de Mopo là par rapport à la réunion, le futur au syndicat des malfaiteurs. Le syndicat, des malfaiteurs. Autour de LeBron James, parce que lui, il signe les amitiés avec les meilleurs joueurs de la ligue. Non, oui. Mais s'il fallait les amitiés avec les meilleurs, il se connaissait. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Il a signé, il est venu trouver D-Way dans son bateau. Ouais. Il a noyé D-Wade et puis ils sont restés amis. Bon, oui, je le vois bien vers la fin, là, quand il va perdre peut-être j'espère qu'ils vont perdre cette année et l'année prochaine aussi. Et puis là, ils vont peut-être se mettre ensemble. Ouais. Là, je parle de LeBron James. Hein. Mm-hmm. Il va se renforcer. Chris Paul aussi. Missy, Chris Paul, c'est aussi quelqu'un comme Carmelo Anthony. Hein. Il va finir sa carrière sans titre. Oui. Mais il ne sera pas le premier, il y a des grands. Oui, bien sûr. Même s'il n'est pas le premier, ça ne veut pas dire qu'il a envie. Oui. Non, et c'est une question qu'aujourd'hui, tout le monde veut. Entre le désir, il y a parfois des réalités. Il y a maintenant que moi, ce que je dis personnellement, c'est que les gens qui ont gagné des titres, c'est des grands sportifs qui ont porté les équipes. Oui. Quand tu prends par exemple les Jabbar et tout ça, Jabbar il est à Milwaukee, il a gagné le titre, il s'en va au Lakers, il gagne le titre. À un moment donné, Milwaukee à cette époque-là n'était pas meilleur que les Lakers, ne pouvait pas gagner un titre. C'est maintenant aujourd'hui, quand tu envisages même les titres, il te faut le joueur décisif. Celui qui va te porter. Lui, il est là pour te porter jusqu'au bout. Pour dire, voilà, c'est là où moi je veux en venir. Maintenant, il n'y a qu'une seule équipe qui gagne par an. Autre, c'est 15 joueurs. Voilà. Ça aussi, figurons-nous bien ça. C'est pas le talent, c'est pas simplement une question de talent. Dans chaque équipe, tu auras le bon joueur. Mais est-ce que tu as le joueur, les équipes capables pour gagner le titre? Jerry West, quand il a parlé à Kevin Durant, c'est ça, il l'a fait observer. Il lui a dit, est-ce que tu veux être comme moi, qui a attendu des années pour gagner un pauvre titre? C'est ce qu'il lui a dit. Et ça, je pense que lui-même, il a redit et il explique que c'est ce qui a définitivement fait son choix pour les Warriors. Donc, il faut regarder ces aspects-là. Il faut regarder qu'on va trouver ça injuste qu'un petit joueur, quelqu'un qui ne joue même pas une seconde dans une finale, ou qui va jouer peut-être, il a un titre, alors que Melo, lui, il a été grand joueur, il n'a pas. Melo, il se consolera, il y a eu Team US, il a été champion olympique, il y a eu plein de choses, il a eu une carrière sportive bien remplie. Maintenant, nous sommes dans un monde où il faut impérativement gagner. Mais dans ce il faut impérativement gagner, c'est toujours les mêmes qui gagnent. Les dominations, les chances, il y a une raison à tout ça. C'est ça. Quand on a nos yeux de commentaire. Et si ça amuse même, DJ Benga va le manquer de respect. Hein. Ah, ça c'est sûr. DJ Benga, c'est vrai. Eddie, faisons un peu réagir, Eddie. Oui, le big. Eddie, tu as un peu entendu toutes les déclarations sur les auditeurs sur Melo, sur Carmelo Anthony. Quelle est ton hypothèse selon toi? Est-ce qu'il va aussi faire partie du deal secret, on va dire ça comme ça, ou bien tu penses que il va rouler sa bosse et finir sa carrière un peu comme
comme les mammouths de la NBA qui ont fini sans titre. Bon, déjà, je voudrais dire que on peut comprendre le fait que bon, il dit qu'il veut rester. Qu'il se soit établi à New York avec sa famille, les enfants qui vont à l'école, qui se sont fait des amitiés, des liens d'amitié et tout, peut-être ça peut jouer un rôle dans sa décision, mais sportivement parlant, je ne pense pas que Melo soit vraiment heureux dans la situation où il se trouve. Parce que on aura beau dire, il est parti à New York pour l'argent. En fin de compte, tous ces gars sont des compétiteurs. Ils bossent extrêmement dur pour maintenir le niveau de jeu. Ouais, niveau, ils ne bossent un pas. Niveau d'exigence très élevé. Oui. Donc, ils ne bossent pas aussi dur uniquement pour de l'argent. Ce sont des gars qui veulent gagner des matchs. Ils ont cet esprit de compétition. Ils ont des matchs, ils cochent sur le calendrier. Que telle équipe. Je vois, vous souvenez de Dwayne Wade, que le docteur ne voulait pas qu'il joue contre le club. Là, il a dit non, moi, je vais jouer. Hein? Donc, je parle du match récent où ils ont joué contre Cleveland. Et LeBron James, je sais pas si LeBron James a joué ou c'est pas trop, mais il y a des matchs que ces gars, ils cochent sur leur calendrier. Et tant qu'ils sont capables de jouer, ils vont jouer ce match. Ça montre bien qu'ils ont quand même un certain esprit de compétition et qu'ils veulent gagner des matchs. Ouais. Donc, je me dis, sportivement parlant, ce n'est pas une situation qui arrange vraiment... Carmelo Anthony, surtout qu'il sait que il sait même que Chris, que Phil Jackson voudrait même souhaiterait qu'il aille ailleurs. Phil ouais. Jackson voudrait partir autour de son draft pick Porzingis. Donc ce n'est pas une situation qui l'arrange. Et il y a aussi le fait que quelles sont les possibilités, quelles sont les équipes qui sont intéressées. Quelqu'un a souligné tout à l'heure, je ne sais plus qui l'a dit. Quelqu'un a souligné tout à l'heure qu'il n'y a pas d'équipe qui se soit signalée comme les Cleveland. Je l'ai dit. Cleveland, Clippers, ces équipes où il veut aller, où il aimerait aller, ne se sont pas signalées. Donc, elles ne sont pas intéressées par ses services. Donc, ça, ce qui fait que quoi? Lui veut gagner. S'il ne va pas à Cleveland, s'il ne va pas chez les Clippers, dans quelle équipe ira-t-il pour, et qui a une chance de gagner le titre? Donc, oui. Tu vois un peu, donc, au lieu de partir, Boston. D'aller dans Boston. Ailleurs où... Oui. Ah, Boston. Bon, Boston, c'est... Cherche ouais, Boston 3. Il faut un 3. Boston, c'est une bonne test. Mais le problème, c'est qu'en Boston, il va falloir qu'il accepte d'être une deuxième ou une troisième option à Boston. Troisième, il n'a même plus le choix. Donc, tu vois un peu le truc. Ouais. Il sait qu'auprès de LeBron James, il peut accepter d'être le deuxième choix parce que ce sont des potes. Il sait qu'auprès de Chris Paul, il peut être le deuxième choix et tout. Ce sont des potes. Mais tu vas aller chez des gens qui te connaissent, tu ne les connais pas, vous n'avez aucun lien d'amitié et tout. Et il sait qu'il est plus accompli que toi. Il sait que c'est qui Isaiah Thomason, numéro 60 de la draft. Donc, il était même le dernier choix du deuxième tour. Tu vois, de la draft, il était le dernier choix. Donc, tu vas venir, tu vas accepter de me laisser mener par toi. Tu vois un peu. Donc, ce qui fait que lui-même, il sait qu'il n'a pas de choix, même en dehors de New York. Donc, la meilleure situation pour lui et pour sa famille, c'est de rester. Ce n'est pas vraiment qu'il veut rester comme il veut faire croire. Non, c'est que c'est la meilleure situation pour lui. Voilà. Ouais. Ok. Dimitri, une réaction de Dimitri. Oui. Melo qui part ou qui reste pour toi, lui il a envie de rester. Il n'a pas le choix. Hein. De toute façon, il n'a pas le choix. Je ne vois pas une équipe qui aura accepté le reprendre. Je ne vois pas une équipe dans laquelle il pourrait s'immiscer et jouer avec aisance de toute façon. Donc, ça veut dire qu'il va encore accepter de repenser son système de jeu. Et c'est un mec. Il va pas accepter de jouer les secondes couteaux dans une autre équipe. Donc, je ne sais pas. Ça va être très difficile pour lui. Hein. Mais rester à New York. Oui. Oui, Dimitri, on t'entend plus. Dimitri qui a un souci avec son micro. Dimitri? Oui. Ça s'est coupé pendant une minute. Pendant 20 secondes. Vas-y, reprends. Je dis, oui. Ta dernière phrase. Oui, bon, qu'est-ce que je disais encore? À la longue, il va falloir qu'il parte, mais. Parce qu'à New York, déjà, il va rien gagner. Ça, il faudra même pas se mentir là-dessus.
Donc voilà, si après il pense pouvoir repenser son jeu à son âge, ça va être compliqué. Sauf s'il va former une autre association de malfaiteurs avec LeBron James et Chris Paul, comme ils ont dû le faire dans une interview de LeBron James. Bon, après, je ne sais pas, parce que LeBron James pourrait le faire si LeBron James ne remporte pas le titre cette année ni l'année prochaine. Je suis presque sûr que le mec va partir. Et je vois que sa prochaine option, ce sera de jouer avec les mecs comme Chris Paul. Et non, là-bas, tu es dans tes chercher le problème. Non, je cherche pas le problème. Ah. Moi, on le voit pas à Los Angeles. Si LeBron James, D-Wade, CP3 et Carmelo ont bien annoncé, ça fait déjà 2 ans, mais cela. Ils ont bien dit leur rêve d'enfance, c'est se retrouver quand ils seront en train de fini déjà leur carrière, d'avoir une team ensemble et de bonbonner, donc d'être en train d'arrêter les petits, les nouveaux venus en NBA, de crosser, ça c'est leur rêve. Ce n'est pas par rapport à la bague, parce que je ne pense pas qu'à cette période-ci, LeBron James en a achieved 75% de his legacy. Je ne pense pas qu'il a besoin de Melo ou de Chris Paul pour asseoir sa supremacie suprême de la NBA. Je ne pense pas. Mais bien dit dans la mesure, puisque le mec ne fait que signer des contrats d'un an. Il est dans la mesure où il ne comprend pas le contrat. Je suis bien dans la mesure, la possibilité, l'éventualité. C'est ça que je tue à ton éventualité avant que ça n'arrive. Non, tu tues mon éventualité, pourquoi? Tu dis arrêtez de le bouger. En fait, je tue. Elle a été passée à Miami, je l'ai prévu. Avant que ça ne sorte même pas. Parce que l'idée, en fait, c'est comme tu es en train de dire, il a besoin. Oui, mon pauvre. Oui. Il a besoin que le grand gère. C'est si plutôt qu'il a besoin de le vendre parce qu'en fait, ils vont finir. Mais on entretient la même chose, c'est comment? Non, mais ça, là, tu parlais, on dit la même chose, mais avant, tu as parlé, c'est comme si c'est LeBron James qui créait l'idée. Non, je veux quand même que tu vois que l'idée a été initiée. C'est un collectif. Quand l'idée est mise dans un collectif, je veux que tu parles dans ce sens-là. Celui qui est à l'école, celui qui est à la maison, qui n'a pas le même niveau soutenu que toi, lui, il entend dans le sens déjà, c'est LeBron James, comme on a tantôt dit, c'est un plein chat. Mais c'est le rêve de LeBron James, donc c'est quoi? Et non, justement, pas que j'ai entendu ça, c'est le sens dont tu mets. Même si tu parles que non, Nani, mais tu t'entends d'initier que non, c'est pas LeBron James. C'est une décision collective. On s'assoit autour d'une bière, on parle. Les discussions des milliardaires, les discussions des pouvoirs, c'est pas la même chose. Ah, donc, pardon, tout ce que tu veux développer là, c'est l'ordre. Tu dis dans la mesure. Tu veux développer quoi? Tu parlais de. On vous a compris. Mopo, vas-y, clôture, on va. Clôture, conclure, après on va enchaîner, Mopo. On vous a compris. Tout ce que je voulais dire, c'est qu'à la fin, Melo et CP2, LeBron James ne va jamais les derniers D-Way, tu vois un peu, non? Oui, parce que je pense qu'ils ont développé deep down, tu vois un peu. Des relations, oui. Ils jouent deep dans la NBA et à la fin de la journée, je pense que chaque jour, ils mûrissent cette idée après chaque saison qui passe, comme monsieur l'a dit. C'est lui, c'est l'équipe qui gagne là-bas. Il y a une équipe, il y a maxi 15 joueurs, donc. Tôt ou tard, Melo va prendre ses décisions et elle m'a marqué un point précis, la position du 3. Oui. LeBron James, c'est un gars qui a toujours aimé les sacrifices de couper son salaire. Melo peut dire le tout, c'est à la là que bon, reste à New York. Je m'en vais à Cleveland, me battre pour prendre une bague. Après ça, on voit comment on va chercher le salaire. Donc, on verra bien. Là, ce n'est plus là. Okay. Dimitri, ta conclusion, vite fait. Et on enchaîne. Dimitri. Oui, j'adore. Qu'est-ce que tu veux en conclure? Bon, quand même. Mopo m'a perdu hein, dans ces séances. Tu disais que c'est bien fait pour lui. Ouais, c'est bien fait pour lui. Bon, après, je sais pas si le mec va repenser son jeu, mais il faudrait qu'il pense à partir. Je sais que l'année prochaine, on va le way. Le temps passe. Le temps passe, mais bon, voilà. Après, c'est à lui de voir. Hein. C'est à lui de voir, ouais. Allez, on va terminer avec cette info. Hein. Ça, c'est Carmelo lui-même hein, qui nous donne l'info. Alors, vous êtes fan des Knicks. Vous êtes fan de Carmelo Anthony, surtout si vous êtes fan de Carmelo Anthony. Alors vous devez donc noter, bloquer cette date sur son calendrier. Hein. C'est Carmelo Anthony qui l'a diffusé sur son Twitter sa date d'il y a moins de 20 minutes sur son compte. On a retweeté ça sur le compte de la radio si vous souhaitez retrouver ça. Alors il précise hein, que vous pouvez le retrouver à son camp, le camp qu'il organise du côté de New York. Si vous êtes du côté de Brooklyn, ce camp va se dérouler le 25 au 27 août 2007 entre 9h et 16h du 25 au 27 août 2007 au Paplex Gymnasium à Brooklyn, New York. Hein. Ce camp est destiné aux filles de 7 à 16 ans. Donc voilà pour l'info que Melo nous envoie comme ça.
hein, donc vous bloquez cette date, hein, si vous êtes du côté de Brooklyn, du côté de New York, vous pouvez passer et rencontrer votre star, Carmelo Anthony. Allez, on va enchaîner rapidement avec les résumés des matchs de la nuit. Et on a bien entendu le débat ce soir, on a encore beaucoup de choses à voir. A tout de suite pour le direct. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Allez, on enchaîne rapidement avec les résumés des matchs de la nuit. Et on va rester toujours chauvin, hein. Vous savez qu'on en a l'habitude sur le parquet de la radio. Chaque fois qu'on a l'occasion de le faire, on n'hésite pas. On reste toujours un peu chauvin. On va parler de la rencontre de notre compatriote Joel Embiid. Hein, Joel Embiid qui a marché sur les Bucks de Milwaukee. Et sur, il a remporté son duel face à Giannis LeBron James Antetokounmpo. C'est comme ça que moi je l'appelle personnellement. On rappelle que les Sixers avaient été battus à Washington, hein, la veille, avant contre. On rappelle que Joel Embiid était absent, il n'avait pas joué ce match. Et ils ont donc, ils ont remonté la pente, on va dire ça comme ça, et ils ont gagné face aux Bucks sur un score de 113 à 104 en ayant fait la différence au dernier carton. On rappelle qu'avec ce sixième succès en 8 matchs, ils ont désormais un bilan de 13 victoires pour 26 défaites. Contre 20 victoires et 20 défaites pour la franchise du Wisconsin. Pas moins de 8 Sixers terminent avec au moins 10 points sur les 10 entrées en jeu. Donc 22 points pour Joel Embiid. 22 points, 12 rebonds, 5 contre pour le futur All-Star. Hein, parce qu'on le dit, il va faire le All-Star. Hein, peut-être qu'il sera dans le 5 majeur. On va croiser les doigts, mais il va sûrement le faire. C'est son 9e match de suite à moins de 20 points. Tout en jouant moins de 30 minutes. Hein. Je ne sais pas si beaucoup de joueurs ont réalisé cet exploit en 9 matchs en moins de 30 minutes. Vous me le direz si c'est le cas. Dario Saric a été excellent en sortie avec 17 points, 9 rebonds, 4 passes. Hein. Et Philly a rentré 14 3 points, 5 3 points pour Milwaukee. Giannis a lui disparu vers la fin du match, mais il a quand même terminé avec 23 points. Jabari Parker aussi a terminé le match. 23 points, une belle victoire de Joel Embiid. Bryce Gachou, Bryce. Ouais, hein, Joel Embiid qui continue de porter haut les couleurs du 237. Il continue de nous mettre sur la carte du monde. Hein, on va dire ça comme ça. Ah oui. Ça fait plaisir. Et même pas seulement pour le Cameroun, pour l'Afrique. Pour l'Afrique mais, aussi. Mais la NBA en profite amplement d'avoir des jeunes comme ça, des talents comme Embiid, Antetokounmpo, Kumto là. Ouais. Et les plus jeunes qui essaient de se faire voir. Parce que il faut pas oublier que la NBA ces dernières années a souffert en talent, en bon joueur. Il y a une certaine génération qui est venue et puis qui est en train de s'effacer lentement. Et puis après, c'est des gens, joueurs très, très moyens. Là, maintenant, des gens comme Embiid, ça arrive une fois tous les, je sais pas moi quoi, tous les 50 ans peut-être. Oui. Non, en fait, mais c'est vrai, un joueur comme LeBron James, ça arrive pas tous les drafts. C'est comme Embiid, c'est pas tous les drafts. C'est pas tous les 5 drafts non plus. Ça, c'est vrai. Voilà, c'est d'accord. Ce que je voulais dire. Donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. À moins de 24 minutes par match, il s'est quand même tourné à plus de 20 points par match. À 21 ans, surtout quand on revoit son parcours personnel dans le basketball, ça fait pas 5 ans qu'il joue et tout. Et le voilà, il va jouer le All-Star Game. C'est du jamais vu. C'est... Oui, en tout cas, on est content de voir ça et puis. C'était un très beau match hier. C'était un très très beau match. Très beau match. Hein, Missy, réaction. Ce qui impressionne surtout, c'est sa science du jeu. Pour quelqu'un qui est aussi grand,
faire les choses que font les Isaiah Thomas, les petits layups et tout ça. Faire ce jeu-là au poste. C'est vrai qu'en première mi-temps, il n'a pas trop été présent. Parce que bon, il perd un peu le rythme quand, comme il joue qu'un match sur deux. Oui. Quand vous jouez pas, il y a le rythme qui est moins là. Mais là, maintenant où il est bon, c'est que il porte à chaque fois les Sixers vers la victoire. Quand il n'est pas là, vous pouvez donner les Sixers perdants. Mais quand lui-même il est là, il prend les choses en main, il est en terrain. Et là où il a bien réussi hier, c'est que lui, avec sa défense, ils ont réussi à frustrer un peu Yanis, qui avait beaucoup de fautes. Parce que maintenant, lui, la particularité que lui, il a vraiment en tant que rookie, c'est que généralement, les rookies, peut-être ils peuvent mettre des tirs, mais ils mettent rarement les lancers francs. Donc lui, c'est une menace supplémentaire. Il y a 13 sur 18, je crois, au lancer franc. Hein. Oui. Et dès que vous le touchez, vous l'envoyez sur la ligne. Certes, il lui arrive d'en rater, mais c'est l'un des meilleurs rookies. C'est d'ailleurs le meilleur rookie au lancer franc. Hein. Donc maintenant, là où il est fort, c'est que il réussit à faire des choses que les gens ne l'imaginaient pas capable de faire. Et il réveille aussi une certaine époque où les premiers Africains arrivés à la NBA ont très bien réussi. Quand vous êtes précédé par des gens qui ont réussi, vous-même, vous allez faire pareil. Les Matisse, les Olajuwon. J'aimerais préciser un truc, toi, pour ceux qui ne l'ont pas suivi depuis, peut-être vous pouvez détonner, nous, on n'a pas... on a toujours redit tantôt la radio, scorer. On n'a pas le point plus de scorer. Notre seul point maintenant pour lui, c'est sa forme physique. Be healthy et d'être plus focus. Parce que pour le moment, avec ce qu'il joue, il n'est pas encore complètement focus dans le jeu. Tu avais dit, il a toujours évasif avec les tuyaux un peu, non? Oui, bien sûr. Il a beaucoup de... Quand il va être full in, logging and load the king, qui est loin de Twitter finger, tu vois un peu, non? Social media, attaquer les fonds, stand en ligne, nanana. Il va juste concentrer pour jouer au basket et laisser... Déjà, les forces externes, les social media, il pourrait marquer, il pourrait être avec 40 points le match, parce qu'en fait, l'arme technique, il a déjà. Le footwork, c'est qu'on cherche. Le footwork, c'est un truc qui ne s'acquiert pas. On a vu Wassana, Dwight Howard struggle. On a vu. On voit LeBron James, l'est à mort. Le footwork, il a déjà ça. On va enchaîner. Oui, bon, bon, vas-y, conclue avant, on enchaîne. On a encore beaucoup de choses à voir. Et la plus grosse chose qu'il a, il a la patience au poste. Ça, c'est ce que beaucoup de big men n'ont pas. Être patient et pouvoir se et il fait ça facilement. Le dos à l'anneau, c'est comme le jus pour lui. Donc, scorer pour moi, c'est un détail pour lui. On a tout un détail, oui. La fin de trois points, sa forme physique. Ouais. Allez, on enchaîne avec la rencontre qui a opposé les Clippers aux Thunders. On va rappeler que les Clippers qui sont l'équipe en forme en NBA, hein, il faut le dire, hein, en saison régulière, hein, entre parenthèses, ça c'est pour Mopo. Ils l'ont donc encore prouvé face aux Thunders, ils les ont donc battus, pour ne pas dire écrasés quand même, sur un score de 120 à 98, hein, c'est le septième succès de cette équipe. Des coéquipiers de Chris Paul qui rêvent toujours de porter leur équipe vers une finale de conférence et pourquoi pas un titre, mais on va rappeler que ils ont terminé la soirée sur un point quand même assez négatif puisque Chris Paul s'est blessé au pouce gauche. Hein, Chris Paul qui s'est blessé au pouce gauche, il a passé un IRM dans la journée et pour l'instant on n'a pas encore de retour sur de Chris Paul sur les parquets. Encore une autre brique hein, qui se jette dans la mare de cette équipe des Clippers. Alors on enchaîne avec les Jazz contre les Suns. On va rappeler que Joe Johnson a signé 10 de ses 15 points dans les 12 dernières minutes du match qu'il a opposé aux Suns, dont un 3 points clutch à 49 secondes de la fin du match. Et les Jazz ont gagné leur quatrième victoire de rang face aux Suns sur un score de 106 à 101. Et on enchaîne avec les Boston qui a affronté les Charlotte Hornets
et Asia Thomas qui a montré qu'il est toujours le boss du quatrième quart-temps. Hein, il a scoré 17 de ses 35 points. Hein, 35 points, 5 rebonds, 4 passes en fin de match. 25e match consécutif à au moins 20 points pour lui dans les dernières minutes hier. Et Boston s'est donc imposé face aux Hornets sur un score de 108 à 98. Hein. Encore un match. Et il fait définitivement les Hornets. Et c'est ça, voilà. Et donc, on va parler après des Nuggets Denver contre le Magic d'Orlando. Ça n'arrive pas tous les jours pour cette équipe des Nuggets, mais ils ont réussi à battre le Magic d'Orlando avec un excellent Moudiaï, 18 points, 13 passes. On rappelle que c'est un record en carrière pour ce Congolais ou Gabon. C'est bien le Congo, hein, si je dis c'est pas Congolais. De... Congolais pour Emmanuel Moudiaï. Hein, donc, il a donc réussi à porter sa team. American. Emmanuel Moudiaï qui a donc porté son coéquipier vers cette victoire sur les Magic d'Orlando. C'est un score de 125 à 112. Et on va enchaîner avec les Pacers. Les Pacers qui ont affronté les Pelicans de Anthony Davis. Et on rappelle que ces Pacers qui étaient humiliés à côté de chez moi, hein, à Londres. Hein, ils ont été humiliés hein, chez Dimitri, là d'ailleurs. Dimitri du côté de Londres. Ils ont été humiliés c'était contre les Nuggets d'ailleurs. Hein, Nuggets dont on parle tout à l'heure. Ils ont réagi donc face aux Pelicans et ils ont gagné sur un score de 98 à 95. Jeff Teague a terminé le match avec 16 points, 8 rebonds, 10 passes. Paul George, 19 points, 5 rebonds, 6 passes. Hein. Paul George, on a du mal à voir Paul George retrouver vraiment la force qui faisait son jeu avant. Allez, on va enchaîner avec les previews, hein, puisque le résumé du match qui nous intéresse, on va en parler dans le match des auditeurs. Missy, oui. Je pose la réponse, hein, les Raptors qui se déplacent à Brooklyn pour affronter les Nets. Les Raptors contre les Nets. Les Raptors, oui. Ils sont là hein, pour une belle saison d'ailleurs. Et puis, victoire des Raptors. Les Nets cette saison, ils sont pas du tout présents. Et en plus, meneur de jeu, ils en ont pas. Jeremy Lin s'est blessé et tout ça. Oui, donc victoire des Raptors ouais. Ce soir. Bryce. Ouais. Hein, je pose toujours la réponse, hein, les Rockets de Houston qui se déplacent à Miami. Ouais. Ok. Prochaine question. Prochaine question. James Harden va faire l'affaire, c'est bon, les Rockets. Ouais, c'est clair. Eddie. Ouais, le big. Dallas se déplace, les Mavericks se déplacent à Chicago. Ou affronter les Bulls, les Mavericks à Chicago. Je pense que ce sera un match difficile pour Chicago. Mm-hmm. Parce que les Mavs, ils sont quand même plus en forme ces derniers temps. Oui. Mais je pense que Chicago finira par... Par gagner le match. Par gagner le match, ouais. Ok. Le Doc. Oui. Alors, les Nuggets de notre Congo Americano. Américain hein d'Emmanuel Moudiaï Emmanuel Moudiaï contre D'Angelo Russell, les Nuggets qui se déplacent à Los Angeles contre les Lakers. Les Lakers vont gagner sur leur parquet. Moi j'ai envie de mettre une pièce sur Denver ce soir, pourquoi pas mettre une pièce sur eux. Mopo. Mopo, ouais. Ouais. Ce soir, je pose la réponse. Hein, le Timberwolves qui se déplace du côté de San Antonio. Timberwolves, San Antonio. Je vais là à San Antonio. Ouais, tu vas là à San Antonio. C'est logique, assez logique. Hein, victoire des San Antonio Spurs. Voilà pour les résumés des matchs de la nuit. Donc, si vous avez l'intention de faire un petit jumbo, hein, vous savez quoi faire pour ce soir. Allez, on va enchaîner avec... Le match des auditeurs assez rapidement, il y a beaucoup de choses à voir pour ce match. À tout de suite pour le direct. Thank you.
Enchaîne avec le match des auditeurs, mesdames et messieurs. On attaque la dernière partie de ce talk show sur le parquet de la radio. On va rappeler donc nos participants. On va rappeler donc la présence de Bryce Ngatchou. Bryce Ngatchou, qui a la particularité d'être l'organisateur, le président du tournoi de l'année du 237, le BAF Cameroun Douala contre Yaoundé, hein, sur le parquet de la radio. Ce soir, on a aussi la présence de Missy depuis Paris. Hein, Missy qui a donc chauffé, hein, elle a assez chauffé sa genouillère. Elle est prête, hein, pour répondre à ses détracteurs sur le parquet de la radio. On a Eddie depuis Oklahoma City. Hein, Eddie qui porte il porte Russell Westbrook sur son dos, hein, on peut le dire. Hein. Mais il est quand même prêt à crosser tous ses adversaires ce soir. De ça comme ça. Dimitri depuis Londres. Dimitri qui est un peu rassuré, il a un peu essuyé les larmes des Pacers d'Indiana quand ils sont allés jouer là-bas. Ils ont été battus par les Nuggets, il est là ce soir. Et bien entendu, Mopo. Mopo depuis Delaware. Et le Doc ONP sur le parquet de la radio off. Allez, on va enchaîner avec la question de ce soir, une question globale, hein, qui va nous permettre de faire le point sur le match qui a donc opposé, hein, les on va dire quoi, les favoris au titre, hein, les Warriors contre les Cavs. Je vais commencer par faire un résumé du match et après je vous pose la question et on va commencer par faire intervenir Dimitri. Dimitri, tu es prêt? Alors Dimitri, j'enchaîne d'abord sur le résumé pour rappeler à ceux qui n'ont pas vu le match qui a opposé donc les Cavs aux Warriors, hein, ce match qui a été qui a donc vu la défaite des Cavs. Hein. On va dire que les Warriors ont enfin retrouvé la victoire face aux champions en titre et ils l'ont fait avec autorité, il faut quand même le dire, amené par un Stephen Curry, Chief Curry, qu'on a souvent l'habitude, que les haters ont l'habitude d'appeler Chokémon, hein, Chokémon Curry, hein, 20 points pour lui, 5 sur 12 à 3 points, 11 passes décisives. Record de la saison égalé pour le meneur des Warriors. 26 points pour Klay Thompson. Le troisième triple-double de la saison pour Draymond Green. 11 points, 11 rebonds, 5 passes pour lui. Golden State s'est donc imposé sur un score de 126 à 91. Donc plus 35. Hein, plus 35. On a un spécialiste des codes téléphoniques ici. Il va nous le dire tout à l'heure. C'est le Doc ONP sur le parquet. Draymond Green qui ajoute 5 contre. Hein. Record égalé pour lui à sa ligne de stats. Mais aussi une nouvelle embrouille avec King James qui était limité à 20 points. 20 points, 8 rebonds, 2 passes pour le King. Kevin Durant termine le match avec 21 points, 6 rebonds, 5 passes, 3 contre. Kevin Love et Kyrie Irving, ont de leur côté été les plus efficaces respectivement. À 3 points, donc 1 sur 6 pour l'un et 6 sur 19 pour l'autre. Les Cavaliers étaient déjà dans le tunnel pour rejoindre les vestiaires avant même que le buzzer ne retentisse dans la salle. Donc ils étaient vraiment assez déçus. Alors, la première question que je te pose, hein, Dimitri, plus 35. Alors, je vais un peu jouer les devins, les prophètes, ou tout ce que tu veux. Plus 35, ça me rappelle le numéro du dossard de Kevin Durant. Est-ce que c'est un signe pour dire que tout est déjà joué pour le titre NBA? Même avant le match, déjà, il avait fait une intervention pour dire non, il n'y a pas de rivalité entre. Il a dit c'est un match comme les autres. Parce qu'on les autres, il n'y a pas de rivalité entre Cleveland et Golden State. Je ne sais pas si le mec voulait seulement faire savoir que Cleveland est trop supérieur ou si il n'y a pas.
sais pas moi, s'il veut pas essayer de pas créer une rivalité entre Kevin Durant et lui, et Kevin Durant lui a rappelé qu'il est là pour ça. Tout ce qu'il veut faire taire là, c'est pas d'actualité. Qu'il essaie d'écarter le débat quoi. Ouais. Donc Kevin, bon, plus 35, Kevin Durant, ouais, le mec il est arrivé carrément avec les armes. On s'est là en équipe, il sait qu'il a arrivé plus de personnes, donc il y a deux bonnes choses à cadeau si tu veux. Ouais, je pense que c'est la première réaction. Allez, ouais. on va faire la passe à Mopo. Mopo! Oui, madame. Alors, est-ce que tu as vu le match jusqu'à la fin déjà? Oui, non, pourquoi pas, j'ai vu le match, puis il y avait le match que je suis après. Mais pourquoi tu es vexé? Non, je suis tranquille. Vas-y, mon pauvre, vas-y. À la radio, il n'y a pas de côté le sang, le bon, le bon, comme je sais. Oui, tu es toujours pragmatique, on le sait, tu le sais. Oui, on a fait le show samedi, je t'ai dit, tu te rappelles, on fait l'allégation du statement de LeBron James à propos du match, non? Oui. Et je t'ai dit, c'était un match d'Alan Kazi que Cleveland n'a pas pris, tu vois un peu, c'était bien vrai. Et dit à préciser l'aspect qu'il était en train d'enlever la pression, même s'il pensait. Mais quand, d'après le statement de LeBron, on a compris qu'il y avait, tu vois un peu, non? Oui. C'était un Madia quand même qui était là, perdu quelque part, tu vois un peu, dedans. J'ai vu, et Golden State se devait de faire cela, parce qu'en fait, s'il perdait, ça devait être un cinquième match d'affilée de perdu contre Cleveland. Ou bien s'il gagnait avec un écart de 1 point ou de 2 points, ça allait toujours. Oui, non, pas l'écart, peu importe. C'est l'écart quand même significatif, quand même. L'écart est significatif, mais une chose, j'en suis. On ne va pas braguer. Une défaite, c'est une défaite. Quel que soit l'écart. Nous avons vu, même pendant les finales passées, Golden State Warriors a dominé. Et après, on a vu le retournement de 1. Mais comme on a été en ligne toute la soirée, quand LeBron James marquait 3 points d'affilée, il disait que les cas vont revenir. Il sait que les deux bouches changeraient un peu. Mais à la finalité, je t'ai dit, le match était là quand même. Quelque part. D'après les statements et d'après le hype aux alentours des games passés, il n'y avait pas la même chose. C'est plus les gars de Golden State Warriors qui étaient aux alentours. Et je pense quand je parle des gars, c'est Damon Green. Ce petit gars qu'on a donné un peu l'argent, il a même dit son sang bouge beaucoup. C'est lui qui s'est ajouté beaucoup là. Mais ça va, on attend le plus. Bobo, j'ai une question. Je pose la question. Est-ce qu'il y avait faute sur la tentative d'interception un peu musclé de Damon? Est-ce que pour toi il y avait faute ou bien est-ce qu'il y avait flap? Flap, c'est trop dit. Il y a une appréciation. Il y avait un 50-50. Pourquoi tu vas te dire ceci? LeBron James dribble pour avancer et Damon Green James cross le passage. Normalement, quand tu viens, soit c'est un blocking far, soit c'est un passage en force. Oui. Ce côté qui tombe en premier, c'est LeBron James. Mm-hmm. Je ne vois pas à quel niveau il y a flap. C'est jouer, tu joues dans les mains. Tu ne trouves pas qu'il a un peu exagéré la chute? Compte tenu du contact. Non, somebody is 265 pounds, somebody cut in the... On te coupe le dans passage. Dans ou quoi? Peut-être la connu au plexus, tu ne connais pas. Il bloque peut-être la quoi? Peut-être quoi, Bobo, laisse ça. Laissez-le parler d'abord, laissez-le parler, oui. Oui, vas-y, Bobo. Peut-être l'avocat du diable, nanani, nanana. Oui. Ton basketteur, nous le savons. Un gars vient, tu es en train de dribbler en pleine vitesse, il te crosse le passage. Et même s'il essaie de piquer, c'est une faute. Parce qu'en fait, il te touche, il y a contact, c'est une faute. Mais c'est une faute. Mais en même temps, c'est vous pas de quoi. Mais Philippe, tu as mal posé la question. Il y a faute, mais est-ce que c'est une faute flagrante? Commençons par. Oui, c'est. Oui, merci, Bryce, c'est mieux de. Parce que faute, il y a faute. Il y a faute, effectivement, oui. Il y a faute. Parlant de la flagrante, ça, c'est une appréciation différente de l'arbitre, mais je sais qu'il y a faute. Si ce n'est que pour la faute, tu la bases, il y a faute. Là, on est d'accord. Oui. Nous savons, c'est la NBA. Je le dis chaque jour à la radio, chacun fait son film. Et si LeBron James a acheté son scénario de faire quand tu le touches, il tombe, c'est son scénario à lui. S'il n'y a pas plus meilleur acteur que lui à souffrir juste d'accepter son scénario, créer que... scénario. Non, tu prends de plus, c'est comme ça. Oui, mon pauvre. Il tape le numéro chaque jour. Oui. Son scénario aussi. Oui. C'est juste de ça. Oui. Ok, il n'y a pas de souci. On va faire la passe à Bryce. Bryce, on t'a entendu réagir. Attends, excuse-moi, Bryce, je pose la dernière question à Mopo avant de te faire réagir. Excuse-moi. Mopo, oui, la dernière question. Est-ce que pour toi, le titre est déjà joué pour les Warriors ou bien ce n'est que partie remise? Le titre? Ou à NBA? Oui, est-ce qu'au vu de ce match,
Est-ce qu'on peut dire que ce sera un sweep pour les finales? Nous sommes des pelisses du basket. On essaie de dire comment tu peux de titres jouer. On n'a pas encore joué le All-Star, vous parlez dans les titres NBA. On ne sait même pas. Est-ce qu'ils vont travailler? Il y a beaucoup d'étapes. N'oublions pas que de l'autre côté, il y a les équipes qui vont jouer aussi. Hein, ils vont jouer l'Espoir. Il y a les gars. Oui. L'équipe titre déjà joué pour Golden State? Non. La commune avant qu'on ait dit le service. Hein. Non. Tu me connais, hein, je fais toujours exprès. Hein. C'est pas pour moi. Je te comprends. Il y a encore le chemin long. Le chemin est long, très. On a revu la même faiblesse de Golden State Warriors de laisser le score revenir. Vous menez, vous pouvez tuer un match, vous n'avez pas tué. Cleveland revient progressivement. Et on a vu Corver qui n'a pas vraiment, qui nous a pas encore apporté ce qu'on a besoin de lui. Il n'a pas encore révélé tout son potentiel. Inexistant hier. C'est comme s'il achetait une nouvelle carte. Il paraît qu'il avait un peu mal au dos. Il est un peu blessé. Il avait pas mal au dos. Il a acheté son visa pour aller. Il avait pas mal au dos, hein. Il est en day-to-day, Mopo, actuellement, Kevin Love. Il est en day-to-day, c'est normal, il cherche les web ou les médias. Ça, il va revenir. Prochain match, il va dire que ça va bien, on connaît tout ça. Mais je suis sur le titre, le titre est loin d'être joué, très très loin. Ok, ça marche. Alors, on va faire la passe à Bryce Ngachou. Bryce, déjà, ton ressenti, ton commentaire par rapport à ce match. Et après, la question, est-ce que pour toi, le titre est joué ou bien pas encore, ou il y a encore pour ne pas être chauvin, naturellement on va pas cacher qu'on est très content de l'issue de ce match. Oui, bien sûr. Non, mais parce que il le fallait pour relancer un peu le débat. Ça commençait à pencher d'un seul côté depuis quelques années. Oui. Si Cleveland gagnait encore là, je crois qu'on allait éteindre la télé et revenir en 2018 seulement. mais là pourquoi éteindre la télé? Parce que même sur son écran, il va se sentir persécuté par les autres. Oui, non, c'est même pas la. Non, mais c'est que là maintenant, ça va. On est serein. Tu respires un peu. Oui. Naturellement, il fallait que Golden State gagne avec ses 35 points. Une victoire de 2 points, plus 2, plus 3, plus 5, plus 7, c'était pas bon. Ça n'aurait pas été bon. Là, c'est bon. C'est clair que ce n'est qu'un match. Hein. Maintenant, en playoffs, il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu. Oui. Et comme Mopo l'a dit, la saison est longue. Déjà, surtout pour les Warriors, pour arriver en finale, ils ont un chemin De l'autre côté, j'espère vraiment que je compte moi seulement sur Chicago. J'espère que Chicago va un peu fatiguer et que Cleveland en route. Et il y a le facteur blessure qui va s'y jouer comme d'habitude. C'est pas gagné, c'est gagné pour personne. Ni pour Cleveland, ni pour Warriors. On va continuer à croiser les doigts pour que la cheville de LeBron James se casse en route ou quelque chose comme ça. Pourquoi elle se casse? Missy, vas-y, réagis par rapport au match. Comment est-ce que tu l'as vécu ce match? Et la question, est-ce que pour toi le titre est joué pour les Warriors? Non, c'est l'avertissement. Comme je le dis toujours dans les saisons régulières, l'avertissement est toujours sans frais. Et donc, il faut trouver les automatismes. Les Warriors, c'est ceux qui sont en train de tenter pendant toute la saison. Maintenant, ils ne font aucun doute qu'ils iront au play-off. Mais maintenant, là où... Comme nous avons eu ce débat, je crois, c'était dans les semaines passées. On en avait parlé déjà. Le débat de Kyle Korver. C'est ça, moi, je veux venir. C'est maintenant... Quand on voit le match d'hier, il doit maintenant beaucoup plus se pencher sur son intégration. Parce que ça, si c'est une finale, il va falloir lui trouver des tirs. Hier, il n'a pas été très facile de le trouver. Oui. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant tout ce match, les Warriors? Prise à deux sur Kyrie Irving. Ils lui ont pas laissé un centimètre pour bouger. Et quand tu coinces Irvine, et tu coinces en même temps LeBron James, la moitié des points viennent quand même de ces deux gens-là. Maintenant, il va falloir que... Et puis le problème, c'est que
les Cleveland est devenu une équipe shooteuse, une équipe qui prend le tir, qui tire beaucoup à distance. Comme dit quelqu'un, you live by the shot, you die by the shot. Ça, ça s'est vérifié hier. Parce que maintenant, dans le temps, les équipes jouaient beaucoup sur le jeu de pénétration, dans le cercle et tout ça. Il faut revenir à ça. À un moment donné, tu vas pas te contenter de balancer des tirs à trois points. S'il y a une bonne défense sur toi, là maintenant, ce qu'ils ont bien fait hier aussi, les Warriors, c'est qu'ils ont mis un jeu en place permettant de libérer les espaces. Oui, de libérer les espaces pour Steph Curry et tout ça. Ça, il faut le faire. Il faut... Et en plus, maintenant, le problème de Cavaliers, c'est qu'ils ont été trop statiques dans ce match. Ils ont été spectateurs. Mais maintenant, il ne faut pas avoir souci ça. Ils vont regarder les vidéos et s'ajuster. Parce que même au play-off, même c'est encore mieux. L'ajustement se fait match après match. Oui. C'est là quand on va commencer. Quand on va arriver au play-off, on va commencer à regarder les vidéos tous les soirs après un match. C'est la seule activité qu'il y a. Tu as même limité, hein. Tu as limité Messi, c'est 4 ans après 4 ans. Media time, on fait les ajustements du match de basket, on regarde les statistiques, on regarde le pourcentage, on regarde l'impact du joueur, on regarde, on a dit Philippe Lille était supposé tirer 25%, aujourd'hui il tire 30%, on fait comment? On va mettre qui va chier, c'est un jeu, ça se joue media time par media time, c'est qu'on demande le temps mort, parce qu'en fait il faut ajuster chaque seconde, c'est un jeu, c'est comme le game de chess. Et ça se fait, c'est pas l'heure des playoffs encore. Donc les gens qui disent, voyons que, mais aujourd'hui, quand on regarde les Warriors tout de même, on peut se dire qu'ils ont quand même beaucoup plus de certitude aujourd'hui qu'ils ne l'avaient dans le début. Ils étaient un petit peu plus hésitants. Les Cleveland, c'est Le mauvais qu'il y a de ça, c'est le mauvais que quand tu gagnes. Même les Warriors ont été victimes de ça. Il faut se remettre en cause pour partir de zéro. Et ça, c'est très difficile à faire. C'est maintenant le plus difficile que va avoir Cleveland. Et d'autant plus que quand on sait que Cleveland, bon, on dit ils ont gagné, mais je n'attribue pas totalement cette victoire à Cleveland. Je l'attribue aussi un peu en partie aux Warriors qui menant 3-1 n'ont jamais su faire ce qu'il fallait. Donc maintenant, c'est vraiment à nuancer à la marge. Aujourd'hui, ce qu'il faut juste souhaiter, c'est que personne, qu'il n'y ait pas de blessure. Aujourd'hui, le talent, il y a trop peu de talent pour aller au bout à chaque fois tel qu'on est là. C'est ric-rac. Tout se joue normalement au niveau du banc, mais pour l'heure, le banc n'est lui-même pas prêt. Ouais, c'est clair. Allez, on va faire réagir le doc. Le doc. Oui. Alors, ton commentaire, ton analyse est incisive sur ce match. Qu'est-ce qui s'est passé à Cleveland? Chez les Cavs, pardon. Plus les Cavs étaient à Golden State, pardon. Pour moi, qu'est-ce qui n'a pas marché? Il y a deux trucs. Il y a quelqu'un qui a commenté sur le off que les Cavs ont une faculté énorme à gagner les matchs comme une faculté énorme à les perdre. Après, c'est pas juste... quand tu vois l'équipe championne, actuellement, ils ont 29 victoires et 11 défaites. Oui. Donc, ils sont sur les bases de 60 victoires cette année. C'est très bien pour une équipe championne qui repart pour arriver en play-off. Franchement, la barre des 60 victoires, je les vois bien l'atteindre. Il leur reste de perdre. Ils ont le droit de perdre encore 11 matchs. Hein. Même un peu moins, il y en a qui ont perdu un peu plus, qui ont fini dans les 56. Ouais. Mais ça montre déjà qu'ils n'ont pas attendu Golden State pour avoir des performances pas toujours dignes d'un champion. Mais
Je pense que pour certains d'entre eux, on a dit pour LeBron, c'est plus l'objectif. Hein. La saison régulière, il va assurer la première place, c'est tout. Faire du fame, arriver 70 victoires, nanana. Non, il faut juste qu'il soit prêt pour les playoffs. Par contre, on ne peut pas nier que là, c'était un duel important parce que tout le monde te le dit à longueur de journée depuis ta dernière victoire. Voilà ton concurrent qui arrive. S'il s'est renforcé, ce n'est pas pour l'Est forcément, c'est en vue de la finale dont tout le monde parle. S'il s'est renforcé, il demande du renfort. Avec ou sans Korver, et si ses joueurs sont tous healthy, en santé, il arrive en finale. Ce n'est pas le problème vraiment. Je pense qu'il se renforce en prévision de son adversaire de l'Ouest. Et quand je dis adversaire de l'Ouest, on l'a dit, hein, samedi prochain, les Spurs arrivent à Cleveland. Je peux déjà annoncer que pour Cleveland, ça ne va pas être facile comme pour. Ils vont peut-être gagner, mais ils vont rencontrer l'autre ogre de l'Ouest qui arrive. Et pour eux, c'est encore un autre. Ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile. Et il y a ce côté-là. Et l'autre côté, on a des Warriors qui, pour moi, ça ne m'étonne pas. Korver, ça va venir. Et hier, Korver fait plutôt un bon match par rapport aux autres. Hein. Korver, c'est pas mal. Il rate pas mal de tirs parce qu'on l'oblige à les prendre. Les autres refusent de les prendre. On veut absolument matcher à 3 points. Donc, on lui dit, prends-les. À un moment, j'ai même trouvé qu'il en abusait. Mais les consignes sont là. Hein. On lui a donné. Il rentrait dans le système. Il tourne en ligne de fond avec Champert. Et le premier qui arrive prend et il balance. Il a fini dans 11 points, un truc comme ça. Il aurait pu mieux faire, mais il finit à 40% au tir. C'est pas mal. Par contre, là où moi je trouve que ça a été déterminant, c'est que cette équipe des Warriors y est allée avec les tripes de la première à la dernière minute. Et là, ils n'ont pas lâché. À un moment donné, ils ont un peu lâché, mais ça, c'est normal. On ne peut pas être à fond tout le match. Moi-même, je commentais, je disais, mais pourquoi ils n'asphyxient pas? C'est vrai qu'ils étaient à plus 36 et que les autres sont revenus à plus 23, 24. Mais bon, vous remarquez que Kerr a mis son 5 entrant, a mis ses joueurs clés pratiquement tout le troisième quart-temps, malgré qu'il menait. Il les a laissés tout le carton. Il n'a pas fait ce qu'ils ont fait à Cleveland où Kevin Durant est sorti au début du troisième. Il a un peu chômé. Ça ne marchait pas bien pour Curry, mais malgré ça, Durant, il ne revenait pas. Durant était revenu tard pour moi le match du 25 décembre. Là, il a laissé vraiment ses joueurs clés pratiquement tout le troisième carton. Ils sont sortis à une minute ou un truc comme ça ou à deux minutes, mais il a voulu asphyxier jusqu'au bout, avec parfois du relâchement, et ça montre hein, par rapport. Et demain, on a un match contre OKC. Ils vont à OKC demain. Et je prévois déjà, si ces mecs veulent jouer, ils ont fait quoi à Russ West au premier match? Ils ont montré que la défense qu'on dit qu'ils n'ont pas, ils l'ont. Et hier, c'est ce qu'ils ont dit. Ils l'ont, la défense. Ils l'ont, la défense qu'on a dit que ça va. Même, bien sûr. On a toujours dit que KD ne défend pas. Quand ils augmentent leur niveau défensif, la pression, avec Draymond Green au centre des débats là, et Kevin Durant qui décide d'utiliser ses tentacules pour défendre, et en plus, Curry, qui est l'un des meilleurs intercepteurs de la ligue, hier, Klay Thompson a montré à Irving que cette fois-ci, je suis prévenu. Tu ne me feras plus ça. Donc, à un moment donné, quand ils veulent augmenter... Et Russ West, demain, je lui prédis encore l'enfer. Kevin Durant va être sifflé, mais le reste de l'équipe va dire, t'inquiète, on s'occupe de ce cas. Parce que c'est aussi un match... demain, c'est un match à enjeu psychologique. Oui. Demain, ça va être très intense au niveau émotionnel et psychologique. Parce qu'on sait qu'OKC et Warriors ont maintenant cette petite histoire commune. Et s'ils augmentent leur niveau, ça va être même dose, même si c'est à OKC, s'ils ne relâchent pas les choses. Et c'est ce qu'ils ont fait là pour moi. La semaine dernière, quand on a annoncé Korver, j'ai dit que je pleurais juste la compétitivité à l'Est. Mais je ne disais pas que les Cleveland sont devenus trop forts en général. Ils sont mis au niveau des équipes de l'Ouest. Ils se sont mis au niveau de leurs concurrents de l'Ouest. C'est juste les autres équipes de l'Est qui sont lésées.
Mais les Warriors n'ont pas plus peur que ça. Quand tu as Kevin Durant et Steph Curry, franchement, à un moment donné, tu peux pas pleurer. Vas-y, conclue. Donc, pour moi, là, franchement, ce qui s'est passé hier, c'est que un match un peu sans, hein, mais cette équipe des Warriors, on sait leur potentiel et on a eu un aperçu. Et ça fait peur parce que pour moi, ils sont capables d'encore plus. Et s'ils l'utilisent à 100%, pour ta deuxième question, la finale n'est pas jouée parce que sur une finale, il y a l'émotionnel, psychologique. Les Cavs ont montré que, étant plus faibles, ils ont le cœur. Parce que s'ils sont plus faibles. Si tu as compris sa question, il sait pourquoi il posait la question du côté. Je connais Félix là souvent. Il aime chercher, il aime bien la matière de la balle. Mais Phil. Oui, donc. Par contre, pour moi, je te le dis par rapport à ta question. Oui. Si ces Warriors arrivent avec un état d'esprit comme hier. Mon poids commentait un truc hier en disant, même si tu es Jordan et que tu as 4 joueurs à ce niveau là qui rentrent leur tir, qui défendent ainsi, tu peux tout faire, tu ne peux pas gagner, parce que tu as 2 joueurs à 18 points, tu vas gagner quoi, tu ne peux pas. Et c'est pour ça que je dis, si ces mecs jouent comme ça, après c'est pas évident hein, sur 7 matchs, mais s'ils sont à ce niveau là les 4-1 qu'on a failli avoir vont avoir lieu. C'est question de logique. C'est pas question de bien, c'est question de logique. Après, est-ce qu'il sera à ce niveau? On va le voir. On va faire réagir Eddie sur la question. Eddie? Ouais, le big. Alors, Eddie, donne-nous ton avis sur ce que tu as vu de tes yeux. Qu'est-ce que tu as ressenti par rapport à ça? Pour toi, ce n'est qu'un match, comme l'a dit le bon GM. Est-ce que c'est quelque chose qui a marqué les esprits d'un côté ou de l'autre? Bon, je vais donner mon avis je vais rester dans l'objectivité. Pragmatique. J'ai quelques points à mentionner. Oui. Le tout premier point, déjà, c'est... C'est le fait que, si vous avez remarqué, il y a une rumeur qui courait que le coach avait l'intention de faire asseoir ses 3 stars, Kevin Love. J'ai vu la rumeur là. LeBron James et Kyrie Irving. Mm-hmm. Et cela m'indique que même avant que le match n'ait lieu, ces gars n'avaient vraiment pas l'intention de se mettre à fond dans le jeu. Je t'ai dit ça depuis, non? J'ai dit ça à vous. Ça c'est. Oui. Donc, oui. Là. Cette rumeur-là, ouais. Cette rumeur-là me donnait déjà cette impression. Oui. Ça, c'est que... De deux, il y a aussi LeBron qui dit que ce n'est pas vraiment une... Que c'est un match comme les autres. It's just the next game. Ouais, nous ne sommes pas vraiment des rivaux et tout. Nous ne sommes pas vraiment des rivaux. Donc, c'est juste un match comme ça. Bon, voilà. Donc, lorsqu'il parlait comme ça... Bon, moi, je me suis dit, bon, c'est vrai que tu n'as pas forcément, il n'a pas forcément besoin de dire que c'est mon adversaire et tout. Oui, c'est notre adversaire le plus important, non. Mais la façon dont il s'exprimait, c'était déjà, bon, c'est un match comme les autres, hein. Donc, vous n'avez pas besoin de vous asseoir tous pour regarder le match et tout. Message qu'il envoie à ces gars quand il parle comme ça. Oui, c'est un message qu'il envoie et tout. Ça c'est le deuxième point. Il a joué jusqu'au bout, hein. Il a poussé, hein. Il est resté sur le terrain, hein. Il a tenté, hein. Sur le terrain, et c'est un compétiteur, il a tenté, c'est... Car lui, il s'est assis, il a continué le bras du football. Est-ce que je peux finir avec mes points, s'il vous plaît? Oui, vas-y, termine, Eddie. Okay, merci beaucoup. Vas-y, Eddie. Alors, pour moi, déjà, avant même que le match ne commence, je ne pense pas que l'équipe des Cavs était mentalement ou bien psychologiquement... dans l'intention de gagner. Ouais. De gagner. Donc, je parle du fait de la rumeur et des paroles de LeBron avant le match. Ouais. C'est vrai que, bon, éventuellement, pendant le match, l'esprit de compétition reprend le dessus. Et l'esprit de compétition a fait à ce que, bon, il fallait quand même qu'ils montrent quand même que, bon, ce sont des champions. Ils vont pas se laisser matraquer ainsi. On a même vu LeBron James
L'équipe était déjà, l'équipe avait déjà 35 points de retard, mais il était toujours au terrain pendant au moins 7 à 8 minutes, alors que les autres titulaires étaient déjà au banc. Donc, mais Robon ne s'est resté au terrain parce que bon, le coach a dit que, étant donné que les Warriors ont très souvent du mal à garder, à maintenir le score, à maintenir l'écart, peut-être avec le Blondier sur le terrain, ça pourra la tendance se changer éventuellement. Surtout qu'ils ont, les Warriors avaient fait 11 tirs ratés d'affilée et les Cavs étaient à 13 points d'affilée et ils sont descendus à 22 points d'écart, à 20 points d'écart, je pense, 22 ou 20 points d'écart. Donc, dans l'ensemble, pour moi, je ne peux pas. C'est pour ça que je n'ai même pas fait de publication là-dessus parce que. Je n'ai pas vraiment ressenti une équipe de Cavs qui avait l'intention de gagner ce match. Et un point aussi que je voulais souligner, c'est que observez bien la façon dont ils ont défendu sur Stephen Curry comparé aux fois précédentes. C'est totalement différent. Stephen Curry avait tellement d'ouverture, il était tellement libre de faire ce qu'il voulait, d'aller à l'anneau, de prendre ses tirs à trois. Il avait vraiment une liberté pas possible. Si vous comparez par rapport aux autres fois, aux fois précédentes où ils ont défendu sur Stephen Curry, Stephen Curry n'arrivait même pas à respirer. Donc, je me dis... Déjà, ce simple fait qu'ils aient permis à Steph Curry de s'exprimer librement, pour moi, c'était aussi un autre indice clair que, franchement, cette équipe voulait seulement rentrer. N'oublions pas qu'ils étaient à 2 semaines de match en route. Hein. Donc, ils ont voyagé pour 2 semaines de match. Et après le match contre Golden State, ils devaient rentrer à Cleveland. Donc, peut-être qu'ils étaient déjà, nous sommes fatigués, nous devons rentrer. Ce n'est pas un match qu'ils ont tellement pris au sérieux dans le fond. Bon, maintenant, n'empêche que LeBron James a joué dur. Il a joué dur. Kyrie Irving, il a joué dur. Il a pris 19 tirs en 30 minutes au moins. LeBron James a pris 18 tirs. Donc, on sent quand même qu'ils avaient l'envie de marquer des points. On a vu Corver courir partout, chercher les écrans et chercher le tir ouvert et tout. On a vu les gars se battre quand même un peu, tu vois, un peu. Mais c'est juste que défensivement, c'était pas la même équipe comparée à ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, mais par contre, on a vu une équipe de Warriors vraiment très, très, très engagée, qui était vraiment à fond, surtout défensivement. J'ai vraiment été impressionné. Oui. J'ai vu Patula calmer Tristan Thompson. Patula a eu 13 rebonds et Tristan 5 rebonds. Hein. Oui. Tristan a eu 5 rebonds en 30 minutes. Patula a eu 30 rebonds. 13 rebonds en moins de 30 minutes. Donc, Patula l'a bien verrouillé. Il s'est assuré que ce gars ne le domine pas au rebond. Ce qui a aussi aidé les Warriors à avoir les tirs en transition et tout. Donc, défensivement, vraiment, les Warriors ont montré de quoi ils sont capables. Qu'ils n'ont pas tant besoin d'un big man à la Bogut pour gagner contre Cleveland. Ouais. Il suffit seulement qu'ils soient vraiment préparés mentalement. Parce que c'est ça le plus important. Et c'est la seule, pour moi, c'est la seule arme que les Cavs ont contre les Warriors. C'est le mental. Si les Warriors sont mentalement au point, je donne maximum 4-1 en finale contre Cavaliers. Parce que Cavaliers ne peut pas les battre. Même avec l'équipe d'année dernière, les Cavaliers ne pouvaient pas les battre. Les Cavaliers les ont eu. Bon, il y a eu l'influence de la NBA et tout ça. On peut parler de tout ça. Mais il y a eu justement un problème mental du côté des Warriors. Et c'est là où les Cavs les ont pris. Et ça a permis aux Cavs de gagner la finale. Donc pour moi, le match, ce que je peux retenir du match d'hier, c'est que les Warriors ont prouvé qu'ils sont capables d'être vraiment très forts défensivement et offensivement quand tout va bien. Et d'un autre côté, on a les Cavs qui n'étaient pas vraiment engagés à gagner ce match. Et n'oublions pas aussi mon dernier point. Oui. La saison dernière, les Cavs contre les Warriors, ils ont battu de 38 points. Donc c'était encore pire que hier. Oui. Mais ils sont arrivés en finale, le jeu était beaucoup plus difficile, le jeu était beaucoup plus fermé pour les Warriors. Et ils ont eu le dernier mot. C'est pour ça que j'interpelle tous les membres du CHL, ne nous laissons pas endormir par le match d'hier, parce que la saison dernière, ils ont aussi gagné comme ça. On doit se préparer, on doit voir le match. Ça, c'est très bien dit. C'est très bien dit, Eddie. Très très belle analyse. J'apprécie. C'est vrai que. Vas-y, enchaîne, le doc. On est à la fin du talk show. On va clôturer, mais vas-y, enchaîne. Là, juste rebondir sur ce que les gars ont dit et poser une question. Est-ce que Kerr n'a pas. Tu te rappelles, moi, à la fin du match du 25 décembre, l'émission suivante,
Moi, dire un truc que bon, c'est un truc qui était c'est bien, comme Draymond Green a dit, c'est une victoire qui va leur permettre d'ajuster. Mais Kerr a fait des ajustements quand même très intéressants hier. Très intéressants. Parce que quand tu vois maintenant que Durant commence à s'occuper de LeBron, je suis un peu plus jeune, j'ai les jambes, la blessure c'est vraiment du passé. Donc LeBron aura la forme des playoffs, mais Durant, physiquement, s'il est là, il montre qu'avec ses tentacules, parce qu'il a la taille d'un pivot, la rapidité d'un ailier, le dribble d'un meneur. C'est aussi un joueur complet, c'est l'arme, franchement, ultime. Comme on disait, c'est l'arme ultime offensive, ce mec. Et défensivement, il a tout pour gêner n'importe qui. Il peut défendre sur le 5, 4, sur le 3 et sur le 2. Le mec, voire même sur le 1, et moi, c'est ce que j'avais même dit, Kyrie Irving a dépassé Curry sur une dernière action, parce qu'il y a eu switch à la finale, parce que c'est Klay Thompson qui était sur lui. Mmh. Ensuite, Klay Thompson est resté cette fois-là. Il a encore ajusté. Bon, je pense qu'à 3 points, ça ne serait jamais rentré. Si Klay est sur lui, il ne peut pas marquer ce type de 3 points. Mais là, je pense même que même Durant risque d'être celui qui s'occupera de lui dans un money time de ce genre. Ouais. Parce qu'il l'a compris qu'à un moment donné, il a peut-être fait venir Durant pour l'offensive, mais que défensivement, avec Green, avec Draymond Green, voilà ses pièces maîtresses. Et ça repose Iguodala qui, lui, quand il entre, Iguodala ne se tape plus LeBron comme sur les autres matchs. Comme avant, oui. Il a défendu comme il pouvait, mais il avait les jambes et il avait même un peu de jus offensivement encore pour aussi aider avec 2-3 points très, très intéressants. Ouais. Donc, je pense que Kerr travaille aussi la chose. Hein. Il a bien travaillé son coaching. Voilà. Tout à fait, il faut préciser que l'ensemble que LeBron vient pas dans ce carnage. Voilà, et c'est le coach adjoint actuellement. Oui, c'est lui, je pense que c'est lui qui avait celui qui avait Steve Kerr. Celui qui avait le game tape de hier, je pense, parce qu'il faudrait regarder bien. C'est vrai que le coach a un coach directement après l'autre. Après Kerr, mais hier, il avait plus un impact. J'ai vu ce sourire quand Draymond Green a marché vers lui, tenter de dire que LeBron vient en train de frapper, qu'il est fou. Oui. Il commence. Ils ont dit que oui, mon petit, massacre-moi ce gars, on sentait la haine. C'était bien, hein. Il le connaît très bien, c'est lui qui l'a fait. Et bon, c'est bon, parce que Tyronn Lue va devoir ajuster, ça va être une bataille sans fin, et c'est ce qui est intéressant, on aimerait voir cette finale. En tout cas, j'espère, mais c'est devenu que tout le monde attend. En tout cas, c'est super. Ça. Super excitant pour la suite, hein. Beaucoup, un match qui apporte encore d'autres nouvelles questions, on va dire ça comme ça, d'autres encore plus de suspense, hein, on va dire ça comme ça pour cette saison NBA. Hein. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce talk show, les amis. Ce match des auditeurs qui nous a permis de faire donc le point sur ce match, sur ce match qui a opposé les deux favoris au titre de cette saison, les Warriors et les Cavs. Oh, allez, on va remercier nos fidèles auditeurs qui étaient là sur le parquet. Missy, ça nous a fait extrêmement plaisir que tu sois encore là avec tes genouillères sur le parquet. La radio. Extrêmement plaisir. En ce moment, supporter de Lyon pour la Cannes. Oui, premier match nul. Mais ce que je voudrais surtout dire par rapport à cette Cannes, ça m'attriste un peu de voir tous ces chants et propos racistes qu'on entend. C'est vrai que c'est dommage. De la part surtout venant de l'Afrique. C'est dommage. Afrique du Nord, ouais. Voilà. C'est vrai que c'est assez triste. C'est un mot, ouais. il faut le dire. Pour ceux qui sont fans de foot, il faut le dire, c'est vrai que c'est fans assez triste. Fans de sport en général. C'est triste. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est assez triste à voir. Merci d'avoir été avec nous, Missy. Hein. Bien entendu, tu restes connecté pour la suite. On sait que tu es une grande fan de la radio. Là, c'est papa. Bryce, depuis l'Allemagne. Hein. Merci à toi, Bryce, d'avoir été avec nous ce soir. On rappelle, hein, Bryce, qui est donc organisateur, promoteur, fondateur de ce tournoi de l'année 237, le Bas Cameroun, hein, voilà, contre Yaoundé, qui va se dérouler, on le rappelle, le 20 mai, date de la fête nationale
du Cameroun. Et on rappelle, hein, n'oubliez pas de vous rendre en masse sur son site www.bascameroun.com, hein, www.bascameroun.com. Vous pouvez aussi trouver, bien entendu, tous les éléments liés à cette organisation sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Hein, Bryce? Si, si, tu as tout dit, Phil. Merci, merci pour tout, pour le soutien. Très belle émission, normal, comme d'habitude. C'est vrai. Bryce, tu vois quoi, en plus d'être... on a commencé fan, mais on est de plus en plus pro. Hein? Ben oui, mais à ça, si on avance, on a commencé avec le bavardage, mais après tu as vu qu'on a arrangé, on a aiguisé, hein, on met les trucs. Non, c'est cool. Et c'est, naturellement, ça c'est le mérite aussi à Mopo et puis Simon Pierre. Hein. C'est surtout d'eux dont je parle. Ouais, c'est surtout d'eux dont je parle. J'ai une question pour Bryce. Oui, Mopo. Yeah. J'ai une question qui est simple, parce qu'on va essayer de poser tout à l'heure. Je me dis Tamba alias le chinois a voulu me déranger. Oui. Ma question est simple. Si quelqu'un qui n'est jamais venu, qui n'a jamais voyagé, décide de venir jouer, tu veux un peu plus, non? Quel budget va peser dans sa poche? Je dis juste comme ça en l'air, il faut juste que les gars sachent au moins déjà s'il faut louer 3 ou 4 jours une nuitée là-bas, nanani, nanana, non? Yeah. Amis, il ne faut pas tous se lever pour venir jouer au basket parce qu'en fait, tout le monde n'a pas d'amis là-bas. Tout le monde n'a pas d'amis là-bas. Non? En gros, si tu peux te lever, tu dis que tu viens là-bas pour deux, pour le week-end. Ou ce week-end, là, tu rentres le lundi. C'est quoi, en fait, la bourse du côté hôtel, job et nanana. Ok. Quoi, donc, quoi. Disons l'hôtel. Hébergement, hôtel. France de voyage. Waka, mon frère, laisse, je peux répondre. Non, laisse avoir une réponse. Francfort est une ville, une très belle ville. Elle est au centre de l'Allemagne, d'ailleurs. C'est la ville des banques. Mais c'est une ville qui est relativement prenable en question hôtellerie. Quand il n'y a pas de fait, comment on appelle ça? Quand il n'y a pas d'événement, quand il n'y a pas les saisons fortes, quoi. Les saisons. C'est une ville où il y a beaucoup d'expositions. Exposition, voilà, oui. De grandes expositions, voilà. Donc, si tu ne tombes pas sur une semaine comme ça où les chambres vont bondir dans les 100 et quelques d'euros, normalement, tu as une bonne chambre, 3 étoiles, voire 4 étoiles à 40-50 euros la nuit. What? Double. Voilà. Oui. Okay. Donc, tu peux compter en moyenne à 50 euros pour une chambre double. C'est intéressant. Deux personnes. Ouais. Je crois que c'est la plus grosse dépense. Bon, après maintenant ceux qui boivent l'eau va coûter cher, ceux qui boivent le champagne ça va coûter un peu moins cher. Et est-ce qu'on peut passer par Est-ce qu'on peut passer par vous pour faire la réservation, par exemple? Bien sûr. Tout ça, voilà. on peut gérer ça backstage parce qu'on veille vraiment à ce que ceux qui ne s'y connaissent pas ou bien... Bref, on va essayer de trouver des solutions pour tout le monde. Mm-hmm. Voilà, c'est voilà. Faut expliquer son petit qui est là-bas en ligne, pense que tout le monde qui va aller causer avec direction hôtelière, comme tu ne connais pas direction hôtelière. Tu parles au citoyen du monde, hein, mon petit. De toutes les façons, on le rappelle, ils peuvent trouver le profil Facebook, Basse Cameroun sur Facebook. Ah, Bryce, on peut le dire. Hein. Exactement. Sur Facebook, bon, vous pouvez m'envoyer un message en privé, sinon vous pouvez contacter Andy, Halfman Konjok, c'est aussi notre. Un autre bon petit aussi dans ce sens. Sinon, on a toute une équipe. Et sur Facebook, sur Instagram. Même la radio, YouTube, vous pouvez contacter la radio. Twitter, vous ne manquez pas dans. Voilà. Philippe sera relayé dans tous les cas. Et Basse Cameroun, c'est BASKAMERUN. Voilà. K. Bon, pas en Allemagne, non. Allez, on va. Il faut qu'on remercie Eddie aussi. Eddie? Oui, je suis en pause. On le rappelle, hein, c'était ton anniversaire aujourd'hui. Anniversaire de Eddie, sur le parquet de radio. Encore joyeux anniversaire, mon frère. Un an de plus, une ride de plus, hein. Ou bien, non, une ride en moins. On va dire ça comme ça. Pour Eddie. Hein, Eddie? Merci beaucoup, merci. Eddie a refusé de donner son âge. Non, garde ton âge. Non, il faut...
Comme l'a dit ton agent, il faut garder. Je peux encore te vendre des chèques. Ah, voilà, c'est comme ça que ça se passe sur le parquet de la radio. Enfin, toujours la bonne humeur. C'est la famille du basket ici. C'est toujours comme ça que ça se passe. On s'éclate, on prend du temps, vraiment, on prend du plaisir à partager ensemble toutes ces news, tous ces moments pour la passion du basket, pour la passion de cette grande ligue, pour la passion pour cette balle orange, on va dire ça comme ça. Mopo. Oui, j'ai une question. Il ne faut pas dire beaucoup de questions. C'est que quand le président est content. Oui, vas-y rapidement. On n'a plus beaucoup de temps. Il faut que je clôture. Mais j'espère que tu as les hôtels choco, non? Tu as les hôtels choco là-bas, non? Les hôtels choco. Mais quoi, hôtels choco, mon ami? Les hôtels choco, Ndolé là. Il a dit les hôtels. Laissez-le. On voit que Pierre a des spécificités bien précises. Il a des demandes bien précises. Il veut savoir. Les hôtels choco. Tu as investissement, mon frère. Tu as investi ce que tu parlais faire. Non, il a raison. J'ai causé dernièrement, c'était en été, j'étais avec Simon Pierre, on était quelque part dans un basket là-bas. Mon ensemble. Oui, Bryce, je ne coupe pas, mais il va falloir qu'on clôture, excuse-moi. Hein, mais on est quand même, bon, il reste une minute. Mon t'en fais pas, tout y est. Vous allez bien, Joss. Okay, je suis obligé de presser. Je suis un peu obligé de vous presser parce qu'on est vraiment pressé par le temps. Il va falloir qu'on clôture. Le doc, Mopo, on va donner rendez-vous aux auditeurs pour le prochain direct live jeudi pour nos Nolly Basket à partir de 22h30 FR. Hein, les gars? Pas de soucis. Mopo, on dit à jeudi, non? Pour nos limites. On remercie encore très chaleureusement les fidèles auditeurs qui étaient connectés en live ce soir pour le match d'auditeurs épisode 13 de saison 2. Merci d'avoir été connectés avec nous et on vous donne rendez-vous jeudi pour nos limites basket à partir de 22h30 heure française. Merci à tous. Passez une bonne début de semaine. Que Dieu vous bénisse. Ciao les amis. Ciao, bye bye. Bye bye. Ciao. Ciao.
Vous êtes bien sur Radio Off Parquet. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.